Mad Max, why don't you? I'm calling Mad Max. Show yourself out, man. Call him Mad Max. Mad Max, master of the ground and pound. Every revolution starts with a moment like this, man. Radio Mad Max. 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 La radio des chiens de la cax. De quoi le pays a besoin aujourd'hui ? Il a besoin d'ordre, bon sang. Prends un cœur, prends un cœur de trop. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la cax, en compagnie de moi-même et d'une quantité obscène de foie gras, puisque rappelons-le, ce sont toujours les pourlots qu'on gave. Élémentaire. Et puis c'était les fêtes. C'est honteux, Max. Ça commence l'année la plus belle des manières. Sur les chapeaux de roue. En compagnie de moi-même, donc nous avons toujours la fine équipe. Donc Kill, toujours présent. Nouvelle année, ça bouge pas, toujours présent. Toujours à tes côtés, Max, tu le sais bien. Nous avons également Mouche qui est là ce soir. Coucou. Nous avons un plaisir d'avoir Mouche. Un plaisir d'avoir Mouche. Rare qui a réussi à virevolter jusqu'ici. Voilà, mais qui a réussi à voler à travers la fenêtre pour se poser dans les studios de Radio Mad Max. Et voilà, il va être avec nous ce soir. Oui, du coup, le son de mon micro était bas. En fait, c'est parce que c'est un micro qui s'active et je ne l'avais pas activé. Merci, Max, pour toutes ces précisions. C'est précision, non, mais je réponds au chat. Avec moi, nous avons également donc Tab, présent. Salut. Coucou. Voilà. Nous avons également Puck. Salut, Max. Nous avons Vide. Vengeance, satisfaction et tractopelle. Et je n'aurais pas mieux dit. Et nous avons Jim. Bonjour, Max. Voilà, voilà. Donc pour cette première émission de la rentrée, plein de choses finalement. Une nouvelle année. De nouveau, quelques changements dans l'émission. Tout d'abord, nous avons instauré donc une obligation de fumer tous les quarts d'heure minimum, qu'on appelle le quart d'heure syndical de la cigarette. Voilà, donc qui sera bien entendu respecté. Belle mesure, plébiscitée par, par le public. Nous avons également de nouveaux sponsors que vous allez découvrir plus tard dans notre émission. Mais en tout cas, sachez que l'émission Radio Mad Max, avec son sponsor Récupération Permanente, a attiré l'œil de nombreux publicitaires qui, grâce à notre diffusion et notre capacité d'audience, d'audimat, nous ont proposé des réclames, moyennant quoi nous avons obtenu donc des cartouches de cigarettes. Voilà. Sus nommé. Bah bien sûr, ça n'a pas été les vacances pour tout le monde à Radio Mad Max, puisque certains sont allés s'occuper du démarchage des publicitaires. Voilà. Et donc on aura le plaisir de pouvoir bien partager quelques petites réclames ce soir. Tout à fait. Et on espère que nos sponsors seront toujours, enfin qu'en tout cas vous serez toujours aussi satisfaits de la qualité de nos sponsors. Quelques changements également sur le format de l'émission, puisque nous allons revenir à l'essence, finalement le jus originel de Radio Mad Max, notre identité, finalement nos racines. Puisque nous allons revenir à une émission dialectique, donc à savoir en trois parties, comme un plan en trois parties de dissertation lycéenne. Puisque nous allons revenir donc au format actualité, puis lecture de textes qui n'auront pas forcément de rapport avec la discussion, et qui seront l'occasion d'une seconde discussion en quelque sorte, mais avant la discussion principale. Et ensuite, le moins de rapport possible, c'est ça qui est important. Exactement. On est là pour parler que de trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, peut-être que le son sature. Ah, le son sature, eh bien,
qu'on va s'occuper de ça tout de suite. Exactement, puisque nous maintenant, donc la troisième partie sera sur l'actualité e-sport. Non, pas du tout. Effectivement, le roster avec Saken qui a réussi à prendre la deuxième manche sur... pas du tout. On va poursuivre donc les discussions. Et ce soir, une discussion sur santé et travail. Voilà. On reviendra donc sur cette problématique plus tard dans l'émission. Et je vais tout de suite lire l'agenda, les actualités. Qui sont assez peu nombreuses, tout de même. Assez peu nombreuses, mais quand même des sujets importants, Max. Par exemple, le gouvernement a été remanié. Et on s'en fout. Voilà. Bon, c'était... On a des super ministères, quand même. Des super ministres. Les ouverts. Rachida Dati en ministre de la Culture, c'est franchement... Donc... alors, on va revenir un petit peu donc sur les actualités donc récentes depuis le mois de décembre, puisque ça fait quasiment un mois qu'il n'y avait pas eu d'émission. Donc, concernant le procès du 8 décembre, donc les 7 personnes ont été condamnées lors du donc après le délibéré qui était disons un mois au moins après les 3 semaines de procès. Mi-décembre, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ont été condamnés à donc au non, le 22 décembre c'était le 22 décembre pour donc association de malfaiteurs terroristes et donc les peines vont de 2 années de prison avec sursis pour la plus légère à 5 années de prison dont 2,5 avec sursis probatoire pour la plus lourde donc qui concerne Libreflow qui avait passé 1,5 ans à l'isolement voilà et qui en, est en préventif qui est selon la construction qu'ils avaient fait enfin c'est logique c'est lui qui prenne la plus lourde car il c'est été monté pour faire en sorte que ce soit lui qui était le cerveau derrière le truc puisque il y avait des condamnés qui des inculpés qui ne se connaissaient même pas entre eux personnellement mais le point de contact c'était lui etc mais donc au final condamnation alors que pour ceux qui avaient un peu suivi on en avait parlé assez régulièrement dans les émissions mais c'était effectivement il n'y a pas d'acte en soi, c'était plutôt un projet qui a été monté par la DGSI et le PNAD, donc le Parquet National Antiterroriste, sur un potentiel projet d'attentat contre des militaires ou des flics, on ne sait pas, basé sur des trucs d'explosion pendant le confinement avec des artifices, enfin, truc vraiment assez flou avec des 3 semaines de procès, ça a parlé de PDF et d'utilisation de signal plus que de véritables actes ou projets en... Voilà. Et donc condamnation, donc ça dit un peu quelque chose aussi de l'ambiance un peu politique et judiciaire par rapport au militantisme en général. Hein. Et donc, alors, on va revenir sur d'autres actualités. Attends, pour le coup, sur ça, il y avait juste aussi, il n'y a pas eu de mandat de dépôt, donc les gens ne vont pas aller en tôle. Mais des aménagements sous bracelet pour le ferme du coup et inscription pour presque tous au FIJET, donc le fichier des auteurs d'infractions de terroristes. Et donc ça veut dire contrôle très lourd parce que c'est obligation régulière de déclaration de domicile etc pendant tous les mois ou tous les 3 mois je crois. Si t'es pas dedans t'es vraiment has-been quoi. Et obligation de déclaration pour tous les déplacements à l'étranger, etc., pendant un certain temps. Plus, les condamnés ont interdiction d'entrer en contact avec les autres condamnés pendant la durée de la peine, je crois. Alors que le PNAT n'avait même pas requis cette dernière mesure, donc les juges ont décidé de l'ajouter en plus, quoi. Donc voilà, c'est speed. D'ailleurs, nous, on n'a pas trop réussi à voir s'il y a eu des annonces de est-ce qu'ils vont faire appel ou pas sur certains trucs, surtout, etc. Si jamais il y en a qui savent dans le chat, n'hésitez pas à donner les infos. Mais en tout cas, ouais, on n'a pas trouvé d'infos qu'elle est dans ce sens-là. Non. Donc le 25 novembre, il y a eu une évasion de 11 personnes au Crat de Vincennes qui n'ont pas été retrouvées. Une porte a notamment été dégondée pour servir de bélier pour l'évasion. Le 25 décembre, pardon, pas novembre. Et donc joyeux Noël à eux, rétrospectivement. Et donc quelques jours avant, il y avait eu des départs de feu volontaires au Crat de Vincennes également.
Toujours sur le CRA de Vincennes, donc le 31 décembre, il y a 12 personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue. Ils ont été interpellés à proximité du CRA de Vincennes et ont refusé de se soumettre au contrôle d'identité. Un camion est retrouvé à proximité avec des mortiers et des feux d'artifice à proximité du CRA, mais sans forcément être liés aux interpellés. Ils sont accusés d'avoir voulu attaquer le centre et d'organiser une évasion. Les personnes sont jugées le 14 février pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. Et ils ont été placés sous contrôle judiciaire vu qu'ils ont demandé un délai pour leur défense. Le 3 janvier, il y a eu l'expulsion de la Halte Saint-Jean. Donc le site de la Halte Saint-Jean, c'est là où il y avait les compagnons d'Emmaüs en grève depuis juillet 2023. Et ça a été fermé donc, par la préfecture, prétextant des risques d'incendie. Et le site était le logement des grévistes. Il y a toujours 24 personnes qui sont en lutte là-bas, force à eux. Le 13 janvier, il y a eu l'annonce de la mise en examen de 14 personnes, dont 4 pour tentative d'assassinat, inculpées pour l'attaque d'un comico d'Agondange en Moselle pendant les émeutes. Donc plusieurs dizaines de personnes avaient pris d'assaut la gare d'Agondange et le commissariat voisin dans lequel se trouvait un fonctionnaire de police, chef de poste, bloqué à l'intérieur. Les personnes placées en détention provisoire se retrouvent avec plusieurs chefs d'infraction retenus contre elles, comme association de malfaiteurs, destruction d'un bien par un moyen dangereux, la détention et le transport de produits incendiaires, mais surtout tentative d'assassinat. La pression des émeutes qui continue. Qui continue et qui, en vrai, sûr, va s'étaler. Les affaires se construisent. Et là, il y a un truc qu'il n'y avait pas encore eu avant, je crois. C'est tentative d'assassinat. Donc, parce qu'il y avait un chef de poste bloqué à l'intérieur du truc qui a sûrement été incendié ou un truc comme ça. Et du coup, ça se transforme en tentative d'assassinat. Mais après, quoi. À chaque fois qu'il y a un cocktail Molotov ou je sais pas quoi qui est lancé en manif, ils ouvrent des enquêtes pour tentative d'assassinat, oui. Enfin, c'est le jeu perpétuel. Quoi. Là, la différence, c'est qu'ils vont chercher les gens pour ça. Donc, ils connectent fait et auteur, et du coup, ça fait qu'il y a des gens réellement accusés. Voilà. Heureusement, contrairement à l'Allemagne, c'est souvent des trucs qui tombent au moment du procès, ce qui est un peu moins le cas dans certains autres pays. Oui, ils continuent avec ça. Quoi. Mais du coup, en se retrouvant avec des peines assez faibles pour des trucs assez lourds, enfin, dans une situation assez complexe judiciairement. Et du coup, aujourd'hui, donc il y avait des manifs pour le retrait de la loi Darmanin, qui ont eu lieu aujourd'hui. Bon, rien de notable, je crois. Je pense, c'est enfin. Comment dire ? Pour l'instant, il y a eu une manif qui était très très. Timide dans le sens il y avait peu de gens et c'était un vendredi, etc. Là, il y a une manif qui a été annoncée, qui était annoncée aujourd'hui, qui n'était pas rejoint par la CGT, par exemple, sur un truc de. Apparemment, d'histoire de mots d'ordre, en fait. Mais il y en a une la semaine prochaine, donc le dimanche 21, qui a été appelée notamment par la CGT. C'est important comme histoire de mot d'ordre, c'est que la CGT a refusé le mot d'ordre. Régularisation de tous les sans-papiers, ce qui est quand même enfin, ça fait un moment qui devrait être un peu obligé, même si ça leur va pas d'être un peu d'accord, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sentent grave, enfin, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est plus une question qui est suffisamment investie par suffisamment de formes de lutte un peu radicale pour qu'ils puissent dire que et ouvrez les frontières. Une manifestation contre les frontières et enfin c'est quand même incroyable, quoi. Bah et d'ailleurs il y a pas eu de texte ou quoi sur ça, alors qu'en vrai ça pourrait pouvoir faire l'objet de, je sais pas, de texte d'indignation de la CGT ou d'autres actions possibles contre un truc de traître par rapport à ce qu'ils demandent. Enfin, c'est-à-dire s'ils demandent pas la régularisation de tous les sans-papiers, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent la mesure que ça demandait justement à la base, c'est-à-dire la régularisation pour les métiers en tension, ou on sait pas trop ce qu'ils demandent du coup. Ou un contrôle plus raisonné de l'immigration, etc. Ce qui revient très vite à juste organiser la gestion des gens qui travaillent, en gros, enfin, sur un mot d'ordre travailliste de la... Oui, ça, ouais, c'est ouais. Bah, peut-être qu'ils étaient contents de la loi de base, alors. C'est ça. Et...
Et donc on va passer là, c'est fini pour l'agenda. On va doucement passer à une deuxième partie. Ce qu'on pourrait dire quand même sur la loi immigration, c'est que on pourrait espérer qu'il y a un truc qui se passe prochainement. Ce serait bien que des initiatives qui sortent du cycle qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire manif les dimanches ou les samedis. Il y a d'autres choses qui se passent en ce moment par rapport à cette question. On sait que par exemple là au Crat de Vincennes, il y a le truc des gens qui ont été inculpés, il y a eu les évasions avant, enfin tout ça c'est aussi les luttes qui sont au final sur la même question des frontières. On pourrait espérer que d'autres initiatives se mettent plus en branle par rapport à cette question dans les mois qui viennent, quoi. Parce que là les gens, on dirait qu'ils étaient un peu endormis depuis 4 mois, surtout qu'en vrai là il y a aussi beaucoup de gens qui sont à la rue en ce moment en général, et là il fait la vague de froid, etc. Enfin, il y a toutes ces problématiques qui se rejoignent en ce moment, et on plus France espérer Travail un... qui vient d'ouvrir. Plus France Travail qui vient d'ouvrir aussi, ouais. C'est vrai. Les JO qui arrivent. Mais les JO, ça veut dire que ici ils vont accélérer le... Déjà peut-être la cadence des chantiers, etc. qui sont... qui concernent pas mal les sans-papiers, parce qu'on sait qu'ils sont embauchés dans ces trucs-là de BTP comme souvent, plus le fait de virer les migrants en général des villes pour les foutre, je sais pas, à Rennes ou à Grenoble, là, pour faire de la place pour les touristes qui vont arriver, quoi. Après, en vrai, moi, je pense que pendant les JO, ça va être cadenassé, quoi. Parce qu'ils annoncent, je sais pas combien de recrutements de keufs depuis 2 ans... Ça me paraît un peu absurde. Ouais, un dispositif de fou sur Paris. Voilà ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi quelques blocages de lycée, Canu l'a rappelé. Oui. Donc avant déjà, c'est vrai que les derniers jours de l'annonce de la loi, avant les vacances, il y a eu des blocages de lycée. Et là, il y en a eu un ou deux. En tout cas, à Nantes, j'ai vu, et à Paris, je crois, un peu aussi. Blocage de lycée pour la loi Darmanin. Enfin, contre la loi Darmanin et de fac. Effectivement, ça, c'est assez coutumier, mais on pourrait juste espérer que ça se généralise. Mais après, effectivement, ça avait l'air épisodique sur le jour de la rentrée ou quoi. C'est pareil, si c'est pas rejoint, ça reste dommage, quoi. Donc on va passer à la deuxième partie de l'émission, mais du coup, juste avant, on va vous passer une petite réclame de notre sponsor Guido Dior. Et ensuite, on enchaînera sur une musique et on va vous jouer Yellow Eyes, Winter is Looking de Yellow Eyes. Et donc, c'est parti. Pour la pub, on vous met le visuel tout de suite. C'est parti. Quelque chose que tu ne peux pas voir. Je suis invisible. Je suis imaginaire. Je suis ingouvernable. Je suis debout, je n'aurai pas lieu. Les yeux faits pour l'amour des mets sont le reflet d'un monde d'objets. Réponds à l'appel. Situation, eau de toilette, par Guido Dior. Thank you.
Et de retour sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la cax. Les chiens de la cax. Merci au backer. ASMR. ASMR Mad Max, est-ce que vous êtes prêts pour la lecture des textes? Bon, moi je trouve que se faire sponsoriser par des balais, c'est pas mal, mais un parfum, je trouve ça un petit peu un truc de bourge, quoi. Bon, après, c'est classos, hein. C'est classos quand même. C'est... Et puis le machin, il pue pas. Hein. Franchement, pour l'avoir testé. Je l'ai mis en situation. J'étais parfaitement invisible. Puis pour le coup, là, enfin, j'ai. Ah, mais c'est pour ça j'ai que vu la vérité. Jamais arrivé. Exactement. J'ai vu la vérité quand je l'ai mis. Moi aussi. Ça m'a tout de suite sorti de ma torpeur. Ça m'a enlevé mes lunettes devant le cinéma, en fait. Mes lunettes 3D. C'est ça. J'étais dans le spectacle, j'étais et là d'un coup, j'y étais plus. C'était Avatar et tout d'un coup, pouf, tout m'est apparu. Tu vois, comme Neo quand il se fait débrancher là dans Matrix. Je suis sorti de la Matrix. Exactement pareil. Voilà. Attends, parce que Canu, il y a. Attends, Canu, il y a une deuxième réclame. Maintenant, on est doublement sponsoré par émission. Doublement sponsorisé. Ça veut pas dire qu'on aura deux à chaque fois, attention. Pas trop s'avancer. Mais on est en pour parler. En tout cas, toujours en quête de nouveaux sponsors. On invite toujours les marques à. Tous les VRP. Tous les VRP. Seulement les marques éthiques. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on est comme ça. Hein. Uniquement. Le capitalisme vert, bien sûr. Il respecte. Issu du commerce équitable. Issu du commerce équitable. Bien entendu. Donc, on va lire la retranscription d'un JT. Bon, comme ça, c'est peut-être pas forcément rêveur, mais on va introduire un peu plus le truc. Donc, c'est comme indiqué sur votre écran. C'est donc les archives Getaway dont on a déjà lu diverses liasses qui sont très intéressantes, qui ont retranscrit donc un JT des années 80 et qui fait suite qui est donc avec une personne du collectif Mohamed. Donc ce qui est assez extraordinaire et intéressant dans ce moment de ce formidable moment de télévision, qui est donc un JT de France 2, c'est que ça intervient après une suite d'événements. D'abord le meurtre d'un jeune d'une cité de Vitry par le concierge de l'immeuble qui est énervé par le bruit que les jeunes font dans la cage d'escalier. Donc ça se trouve être un des premiers meurtres qui fait la une des journaux en tant que meurtre raciste. Et donc énormément de journalistes viennent voir ces jeunes pour leur parler, les faire parler, etc., les interviewer, machin. Et il se trouve qu'ils tombent sur une bande de jeunes gens qui... ont formé une espèce de collectif pour faire des films et qui ont filmé leur quotidien, leur vie. Donc il y a trois films qui existent du collectif Mohamed, même quatre en vrai, je crois. Après, surtout trois qui sont vraiment très intéressants. Un premier qui s'appelle. Où ils filment leur local, le local qu'ils ont occupé contre la mairie, etc. Un deuxième qui s'appelle Zone Immigrée, dans lequel ils vont interviewer des tas de gens de l'endroit où ils vivent, de la cité où ils vivent. Avec ce qui donne un truc hyper... les questions qu'ils posent, les manières dont ils les posent... c'est entrecoupé de moments où ils parlent d'eux-mêmes, de comment ils vivent, de ce que c'est leur quotidien, etc. C'est vraiment assez passionnant. Donc c'est filmé en Super 8. Puis ensuite, ils vont prendre leur caméra et filmer les journalistes en train de venir les voir et de venir les harceler pour qu'ils témoignent suite à la mort de Kader, donc de leur copain.
Et donc c'est un film qui s'appelle Ils ont tué Kader, dans lequel on voit comment les journalistes de France 2 viennent avec une espèce de mépris en mâchant des chewing-gums d'un air dégoûté, leur demander des images de leur ami parce que c'est ça qui va faire de l'audience à ce moment-là. Et eux, ben, ils vont négocier avec d'une certaine manière avec les journalistes et ils vont obtenir que leur film soit passé sans montage, c'est-à-dire qu'ils vont pas donner des images de leurs potes, mais ils vont faire passer leur film et d'être invités à quelques-uns à un journal télé en direct. Et donc ça, c'est la retranscription du journal télé en question. Où donc ils sont en direct suite à la mort de Kader. Voilà. Et donc on va lire ce texte. Enfin, on va lire la retranscription de ce JT. Étant donné qu'il y a deux, c'est un dialogue, peut-être on peut pour donner un petit peu plus de rythme. Je vais faire un peu de dans l'émission, un peu de théâtre. De théâtre. On va pouvoir lire. Donc moi, en tant que présentateur de l'émission de Radio Mad Max, je vais jouer le présentateur de l'émission de d'Antenne 2. Du coup, tu fais Mustapha Kill ? Si tu veux, oui. Laisse-moi juste deux secondes prendre le PDF. Pas de soucis. Et je l'ai donc. Alors... Mustapha, ça c'est une information qui vous concerne directement, cette carte de résident. Bien sûr, c'est Bonnet, il veut nous afficher. Mais vous ça, c'est la transition subtile du journaliste entre son reportage d'avant, qui était un reportage sur la carte d'identité, etc., et l'interview de Mustapha du collectif Moumen. Mais vous avez déjà une carte de résident en France ? J'en ai pas, moi. Vous n'en avez pas ? Ils me la font pas. Ils veulent pas me la faire, et d'abord j'en veux pas, ça sert à rien les papiers, de toutes les façons. Il faut une carte d'identité, non ? Ou... Ça sert à quoi ? C'est le flicage, ça. Dans une société qui est organisée ? Ben ouais. Qui est hiérarchisée, ça existe dans tous les pays. Vous refusez ce genre de contrôle de... Bien sûr, pour moi on est des chiens, nous. C'est comme toi, là. T'as des papiers, t'es un chien pour moi, c'est pareil. Nous on veut pas de ça, nous. Je veux pas être fliqué, comme ça tout de suite. Ils te retrouvent tout de suite, voilà, ils disent voilà, l'ordinateur, tout ça, c'est comme ça. Mais rien que pour avoir des papiers de sécurité sociale, par exemple, pour si on est malade, se faire rembourser, il en faut ? Ouais, mais même là, les flics, ils nous fliquent. Il en faut des papiers. Bien sûr qu'il en faut des papiers, mais nous on veut pas de ça. Pourquoi la carte de travail, la carte de résidence, ça sert à quoi ? Ça sert à travailler, ça sert à résider, non ? Ouais, ça sert à résider, mais pourquoi ? On est ouvrier, qu'on soit ouvrier, français... ou maghrébien, ou immigré, on est tous pareils. Qui est-ce qui se ramasse le fric ? C'est bien les riches. Les pauvres, ils n'ont rien. T'es toujours fliqué. Mais sans carte de résident, vous ne pouvez pas travailler, justement. Mais je veux pas travailler, moi. Pour gagner rien du tout, ça va pas. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vivre, c'est tout. Travailler, travailler. Nos parents, ils ont travaillé pendant 20 ans. Résultat, leurs enfants, ils se font descendre. Mais vivre, ça veut dire aussi avoir de l'argent. Non, on veut bien vivre, quoi. On veut pas être des chiens, c'est tout. Si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Donc il faut le trouver, l'argent. Mais l'argent, il faut le trouver. Ils peuvent nous donner quelques milliards. Le président, là, il en a des milliards. En Afrique, c'est bien de voler les diamants au noir. Mais pour l'instant, vous, pour travailler, pour vivre chaque jour, comment faites-vous ? Moi, je me démerde. Qu'est-ce que vous appelez se démerder ? Il y a des jeunes, ils volent. Bon, moi, je me démerde. Je vis chez mes parents, là encore. C'est pour ça que j'ai moins de problèmes. Du moins, il y a des problèmes, mais moins que ceux qui sont dans la rue tout seuls, sans parents, tout ça. Je pense qu'il faut mesurer le... Enfin, le rapport à l'idéologie du... Enfin, c'est-à-dire que le journaliste est obsédé par la question du travail. C'est-à-dire que là, il interroge quelqu'un parce qu'il y a eu ce meurtre raciste entre le concierge de la cité, le concierge de la cité qui a tué un des jeunes de la cité. Et ce qu'il demande au type qui est là, c'est
comment on fait pour travailler. Enfin, c'est vraiment le moment au début des années 80 où ça se construit l'image du jeune de banlieue oisif qui traîne dans les cages d'escalier, qui deal de la drogue, qui fout rien, etc. etc. Et donc, eux, ils vont s'affronter à ça d'une manière assez courageuse, quoi, sur... en avançant non pas mais si en fait on travaille je sais pas quoi machin chouette mais plutôt c'est quoi ce monde de merde, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute dans ce truc là, etc. Voilà, et en direct à 20h c'est assez frappant, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont obligés de voler, ils vont pas aller à l'usine, déjà on les accepte pas même s'ils cherchent du travail. Moi, admettons que je cherche du travail, on va me dégager. S'il y a un boulot c'est un boulot de chien, alors je veux pas. On va vous demander votre carte de résident, votre carte de travail. Ouais, on va me demander tout ça. Votre père travaille en France depuis combien de temps? Ça fait 23 ans. Quand vous discutez avec lui le soir, quand il revient du travail, comment il reçoit ce que vous lui dites? Quand vous lui dites que vous ne voulez pas travailler. Moi, je lui dis de toute façon... C'est un vieux chantage. Moi, je lui dis de toute façon, mon père, il sait très bien. Qu'est-ce qu'il en pense? Il sait très bien. Il s'est fait exploiter pendant 20 ans. Il n'y a pas rien que lui, tous ses copains, tout ça, tous nos parents. De toute façon, tous les Français le savent, ils savent. Ils sont tous ouvriers, mais seulement, ils ont peur d'ouvrir leur gueule. C'est tout. Ils ont peur. Ils croient que ça marche pas, mais si. Mais s'ils sortent tous, eux, ils coupent la tête à Giscard. Là, ça marche. Bien, si vous voulez, on reprendra la discussion dans quelques minutes. On va continuer dans l'actualité de cette journée avec des informations qui concernent la pharmacie, car les industriels de la pharmacie n'auront pas le droit de fixer le prix des médicaments en toute liberté. C'est ce qu'on a appris hier. Disons que pour eux, c'est le régime de la semi-liberté qu'a choisi le ministre de la Santé, M. Barrot. Et ici, on fait une jonction santé-travail. Jonction santé-travail, exactement. Absolument parfaite. Ça a été bien conçu, cette émission. Malgré concentration relative pour la préparation. Excusez-moi, j'avais oublié de passer la diapositive. Beaucoup d'inattention, je crois, dans cette préparation. Bien. Nous reprenons donc la discussion ici avec des changements à cette table. Je vous avais prévenu, je vous avais dit que Mustapha était venu avec plusieurs de ses amis de Vitry. Il y a Zoher qui est en face de moi et... Adi, voilà. Et Paul Lefebvre qui nous a rejoint et Guy Gilbert. Ah mais Guy Gilbert c'est... C'est le curé des... C'est le prêtre rocker. Voilà, le fameux curé des honneurs. Prêtre ouvrier en perfecto de cuir et sur une moto. Magnifique. Ceux qui connaissent pas, ouais. Qui fait du rock and roll. Incroyable. Si vous êtes venu, c'est parce qu'il y a quand même, quelques semaines, vous avez un ami qui a été tué à Vitry. Il s'appelait Kader. Il était tué par le gardien d'un immeuble. Il est mort devant moi. Comment ça s'est passé exactement? Bah, on était dans un escalier exactement, comme tous les soirs. De toute façon, on est toujours dans les escaliers. On n'a pas de salle, on n'a rien. Alors, dans les escaliers, bon, vers 8h, on était dans les escaliers. On discutait, on était à peu près 8 dedans, une dizaine. On discutait, et puis il y a toujours un vieux qui descend avec sa barre de fer, et sa femme, elle descend avec un couteau. Bon, on sait très bien, il s'appelle Roger, c'est un copain à nous, il est toujours bourré. On le comprend quand il descend, il gueule et tout, il fait peur aux jeunes et tout. On s'en fout, alors on change d'escalier, alors on commence à le chambrer, tu vois. On est dans l'escalier d'à côté, on le chambre, lui, il gueule après, il s'en prend à la bécane de notre copain, tu vois, comme ça. Tu vois, il rigole, tu vois, toujours. Jusque-là, c'est un jeu, toujours, on rigole. Après, bon, sa femme, elle va appeler la femme du vieux, elle va voir le gardien, elle va le voir. Elle appelle le gardien pour qu'il appelle les flics. Alors, le gardien, il a pas appelé les flics, il est passé le gardien. Je l'avais appelé, tu vois, comme c'est un copain le gardien. Celui-là qui a tué Kader. Je l'avais appelé, il a pas voulu me voir. Déjà, il était bizarre, c'est peut-être parce qu'il avait vu le justicier. C'est pour ça, ça lui a tourné à la tête, ça. Ça, c'est assez drôle, quoi, parce que c'est vraiment renvoyé... Le truc qui sert à chaque fois sur pourquoi les jeunes font des trucs illégaux ou je sais pas quoi, parce qu'ils regardent des films et que du coup, voilà, le truc genre tueur né a rendu les gens violents, etc. GTA. Et là, c'est renvoyé, genre le gardien, s'il a buté leur pote, c'est parce qu'il a vu le justicier juste avant. C'est vrai que c'est drôle. Donc, genre, voilà. Et puis par ailleurs aussi, bah, on va voir ça dans la suite, mais le fait de... refuser cette lecture en termes de meurtre raciste qui oppose le gardien blanc aux jeunes rebeux et dire tout ça c'est des histoires qui sont entre des gens qui vivent ensemble en fait. Et vous là vous êtes venus faire les voyeurs d'une histoire hyper triste mais qui est entre des gens qui vivent ensemble quoi. Qui vivent des trucs chiants, qui s'embrouillent, qui machin, qui trucs, qui bidulent, mais
enfin, il tient vraiment pas le discours qui pourrait sembler rapporter le plus, qui serait justement celui du meurtre raciste, tout en parlant du racisme, mais d'une manière qui est pas du tout celle du présentateur télé, quoi. C'est-à-dire que effectivement, il parle de la difficulté, des conflits entre les gens dans la cité, des jeunes qui restent dans la cage d'escalier parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit, qui du coup s'embrouillent avec les darons et qui ont des flingues chez eux et qui voilà. Mais ça en parle pas du tout comme le journaliste voudrait que ça en parle, quoi. Mais c'est fou sa question directe à lui là après. C'est en peut-être mode parce qu'il a eu peur aussi. Non. Pourquoi il aurait peur? On lui disait bonjour, tout ça. C'est un copain à nous, le gardien. Je sais pas, c'est la télé, Antenne 2 qui lui a monté à la tête dans les dossiers de l'écran, c'est tout. Bon, je pose il y a Antenne 2 quand il dit ça. C'est hyper vrai. Dossier de l'écran, ça doit être truc 90 enquête un peu. Enquête exclusive. Ouais, voilà. J'aurais dit aux journalistes, vous lui avez monté la tête en fait, c'est à cause de vous en fait. Bon alors, on était dans l'escalier alors, comme ça. Sa femme, elle a été appelée le gardien. Bon, le gardien, il est descendu et tout. Et puis il y avait sa femme, elle était dans l'escalier, elle a ramené une carabine. Pendant ce temps-là, nous, on était dans l'autre escalier. L'autre, le vieux, il est monté chez lui. Après, il s'en foutait, il est monté. Le gardien, alors, il a pris, il était là, il me regardait, et puis sa femme, elle lui donne la carabine. Elle lui dit « Tire !» Alors lui, il la met comme ça. C'est marqué, il vise. Moi, je le regarde, il me braque. De loin, il était à peu près à 25 mètres, un truc comme ça. De toute façon, c'est presque à bout portant parce qu'il y avait une lunette en plus sur son 22 automatique. Alors je le regardais, moi. Et puis même, il y a des témoins. Il y avait plein de gens. Parce que là, ce qu'ils ont dit à la presse, tout ça, c'est du baratin. Hein. Comme TF1, tout ça. Tous les journaux, tout. Même jusqu'à Sans Frontières. De Libération à Sans Frontières, avec l'Humanité, tous les journaux, ils nous ont descendus. Ils ont dit qu'on l'a agressé. Ça, c'est du baratin. C'est ça que je veux dire. Alors bon, il m'a braqué. Moi, je le regardais. J'étais dans l'escalier. Juste à l'entrée de l'escalier, je le regardais. Lui, il me braquait bien avec son fusil. Moi, je croyais pas qu'il allait tirer. En plus, je croyais que c'était une à plomb. Je me suis dit, bon, il veut peut-être faire ça pour intimider, je sais pas. Peut-être il était un peu énervé, ça se comprend. Il y a toujours des gens qui sont énervés, ça, on le sait. Moi, d'abord, plusieurs fois avec les locataires, de toute façon, on s'est énervé. Bon, on comprend, de toute façon, même des fois, nous aussi, on s'énerve. Mais c'est rien, ça fait rien. Ça fait pas pour tuer un mec, jamais. Même moi, je vais pas aller tuer un mec. Même des locataires, ils vont pas aller tuer. Alors, il a tiré. Ouais, alors lui, il a braqué, moi, je le regardais, et puis je dis au mec qui était... Il y avait des copains à moi qui étaient dans le hall. Moi, je me suis poussé, et puis il y avait un copain Rachid, il voulait tirer sur Rachid, mais juste Kader qui est sorti, il a sorti sa tête, et puis il s'est pris la balle dans la tempe gauche. Et puis ça a giclé, alors les mecs, tout le monde a été pris de panique. Il y en a qui croyaient que c'était une balle à plomb, mais après on regardait le sang, tout le monde a paniqué, tout le monde s'est sauvé. Moi, j'ai regardé le sang, il a giclé sur mon blouson là. Et puis on est parti par terre, je pouvais rien faire, alors il y avait que moi, et Roger, on est resté. Il y en a qui sont partis par devant, les autres, on est partis par derrière. Tu vois, comme c'est un bâtiment, tu peux partir par devant et par derrière. Alors on est resté, et puis après j'ai vu le gardien. Il venait avec son fusil, il voulait tirer encore, il voulait encore tirer sur nous. Même il y avait ma mère à la fenêtre, et puis il disait « Où est votre fils Mustapha ?» Il voulait tirer. Parce qu'une fois qu'il avait tiré sur quelqu'un, il s'est dit « Vaut mieux que j'en tue. » Alors comme ça c'est tout. Il l'a tué, alors nous on s'est sauvés. Après quand on était au bout du bâtiment, on était plusieurs là-bas au bout. Il voulait encore nous viser dessus. Vous faites partie d'une bande à Vitry. Il n'y a pas de bande. Qui est connue, non? Il n'y a pas de bande, nous, à Vitry. Vous êtes regroupés entre amis? Ben, nous, on est des jeunes, nous. On veut s'amuser. Vous êtes combien, par exemple? Dans l'escalier. Vous êtes combien à vous retrouver régulièrement? Vous êtes combien, par exemple? Putain, c'est un keuf, lui. C'est vraiment... À nous retrouver. Les mecs, s'ils se retrouvent, c'est en boîte. Et en boîte, c'est trop cher, alors ils peuvent pas se retrouver. Mais vous êtes combien? Vous êtes une quinzaine, une vingtaine, une trentaine? Il y a les jeunes de la cité. Je sais pas, il y en a des centaines, mais on peut pas se retrouver tous dans le même escalier. Vous avez tourné un film il y a quelques mois, je crois, avec plusieurs de vos amis. Comment l'idée est venue de prendre une caméra et de filmer? L'idée, au début, c'est un mec. Ça a commencé par l'atelier de Jean Massé, du moins un mec. Il voulait faire un film du moins, après nous... Les mecs, tout ça, ils ont été intéressés, tout ça... Ils ont dit « Ouais, on va tourner un film, quoi. » Le mec, au début, il est venu avec un scénario, tout ça, mais le scénario, ça marche pas. Les mecs, quand ils voient la caméra, ils friment devant la caméra, ça marche pas. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est oublier la caméra, alors. Vous frimez pas un peu en ce moment devant la caméra? Je frime pas. Moi, je dis ce qu'il y a. Justement, moi, je m'en fous un peu des... Moi, je m'en fous des projecteurs, tout ça. Moi, je parle, c'est tout. Vous avez pris une caméra, vous avez construit votre film comme ça? C'est pas moi qui l'ai pris, c'est tout le monde. Tout le monde?
C'est les jeunes, ils ont participé. Vous avez tourné, vous avez monté votre film vous-même. Le film, on l'a monté. Le film là, on pouvait pas être tous dans le montage. On était trois. Toujours, on allait chez un prof, puis on le montait, on était toujours trois pour monter. On disait, voilà, comme ça. Et puis ça y est, et puis on a fait un film de 40 minutes. Du moins, on a fait 2 heures de montage, et puis on a gardé 45 minutes. Après, on l'a diminué à 40 minutes. Voilà. Vous allez faire montrer un quart d'heure. Voilà, on va montrer à peu près un quart d'heure, tourné par Mustapha et tous ses copains de Vitry. C'est un film qui nous a été tourné, qui a été tourné il y a quelques mois, dans lequel nous retrouvons d'ailleurs... Kader. Kader, vous le verrez à un moment dans ce film. Voilà, je pense que nous allons le voir assez rapidement. Je tiens à dire que c'est un film d'amateur qui est tourné en 8 mm. Mustapha, super 8. Ah oui, super 8. Je l'ai pas vu. Guy Gilbert, ces garçons qui sont avec nous aujourd'hui dans ce studio et qui sont vraisemblablement en train de regarder à Vitry, on a du mal à les classer. Politiquement, ils ne sont pas récupérés par personne, on a vraiment l'impression. Comment est-ce qu'on peut les classer? Ce sont des voyous, des loubards, des déracinés tout simplement? Plus simplement. Plus simplement. Et Kader, Mustapha l'a dit de façon remarquable tout à l'heure, c'était... Kader était un jeune simplement, comme un autre. C'était pas un loupard ou un voyou, c'était un jeune, comme un autre. Mais coincé. Si tu veux, je crois que j'ai bien entendu, bien compris. Je crois que ceux qui écoutent ont bien besoin d'entendre et d'écouter ce qu'a dit tout à l'heure Mustapha. 4 millions d'immigrés en France. On nous dit souvent qu'est-ce qu'ils viennent foutre pour nous prendre. Mais nous prendre quoi? Les travaux les plus durs? Les salaires les plus bas? Nous prendre quoi? La qualité de marchandises qu'on leur a donnée? Marchandises ballottées au gré des fluctuations économiques? Voilà, alors on s'étonne que des jeunes soient dans la rue et le problème qu'a dit Mustapha de façon très nette, son père a travaillé 21 ans. Pour qui? Les émigrés viennent travailler pour qui en France? Pour nous installer dans le confort et le luxe en France. Et je termine là parce que... C'est aussi parce qu'ils ne trouvent pas de travail chez eux, dans leur pays d'origine. 90 km d'autoroute sur 100 sont bâtis par des immigrés. Une voiture sur deux est construite par des immigrés. Pour qui? Ce sont eux, ils me le disaient hier, qui construisent les baraques. Pour qui? Pour les Français. Où est-ce qu'on loge les immigrés en France? Je crois que c'est ça un problème important. Vous dialoguez? Vous pouvez dialoguer avec un prêtre? Ouais, mais d'accord, mais là il vient. Bon, lui, il est pas de la cité. Bon, c'est pareil. Bon, il est éducateur, mais c'est les jeunes qui doivent parler. Alors c'est aussi pas... Enfin... Apparemment, le discours du curé des Onards, là, il a l'air hyper assez correct dans le genre de discours de gauche, de cateau de gauche. Oui, quoi, ouais, voilà. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, Mustapha va... Enfin, sur le truc de qui doit parler, qui doit... Enfin, le truc de... c'est pas les éducateurs, c'est pas machin. Enfin, il va refuser ce truc-là, quoi, ce qui est aussi assez remarquable. C'est qui refuse? C'est Mustapha? Ouais. Okay. C'est eux, c'est Mustapha qui doit parler. C'est nous on parle, c'est nous qu'on expose notre problème. C'est pas toujours... La plupart du temps, à chaque fois qu'il y a une émission qui passe sur les jeunes, il faut toujours un psychologue, machin, toujours des mecs qui connaissent rien de la jeunesse, ils vivent même pas dedans. Depuis le début de l'émission, c'est vous qui parlez quand même, Mustapha. Ouais, non, mais je sais. Non, mais moi, je dis pour les émissions qui sont passées avant et qui repasseront encore. C'est toujours des mecs qui sont en dehors, qui ont rien à voir. Voilà. Je suis psychologue, je suis ça, je m'occupe des jeunes, je suis éducateur, je suis comme ça, comme lui, il disait. Il y a une chose qui est importante, c'est cette motivation des adultes qui essaient de vous comprendre. Ben ouais. Le fait que vous soyez là, c'est une preuve supplémentaire. Je veux dire qu'il ne faut pas que vous adoptiez systématiquement une attitude de provocation ou de refus des adultes. Ça, c'est un autre mec d'Antenne 2 ? Ouais. Okay. Qui est là sur le plateau, genre. On provoque pas, nous ? Non, je le dis comme ça. Parce que c'est facile de dire, c'est la faute aux autres, etc., etc. Mais il est CPE, lui. Je veux de l'ordre. Bien sûr, c'est facile. C'est vraiment dégueulasse. Le problème, c'est que nous vivons tous dans une société que vous en acceptiez ou refusiez les règles. C'est votre problème. Je veux dire, nous sommes à la limite, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble. Putain. Bien sûr. Bah, on voit de quel côté est le différentialisme, là, pour le coup. Enfin, pour le coup, c'est un effort conjoint
et intense pour que des journalistes, pour constituer Mustapha en espèce d'objet extérieur, étrange, qui a une vie qui n'est pas normale, qui ne travaille pas et alors c'est pas normal, qui fait des trucs chelous en bande, qui je sais pas quoi. Et à ça, ce qu'il oppose, c'est vraiment un truc qui est, pour le coup, anti-différentialiste. Et après, ça va encore plus se définir. C'est-à-dire qu'il intervient comme un jeune homme de... je sais pas quel âge ils ont, 18-19 ans. Mais s'il a 18-19 ans, l'autre, il lui parle vraiment comme un gamin, pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais. Quand tu lis la retranscription, t'as l'impression qu'il parle à un mec de max 15 ans, genre. Après, il y a quelqu'un dans le public qui dit « Moi, Mustapha, je voulais. » Oui, on vit ensemble, mais toi, où tu vis? Est-ce que tu travailles à la pioche? Non. C'est pas parce que je ne travaille pas à la pioche que... Moi, je dis ce qu'il y a. On vit pas ensemble pour l'instant. Tu vis pas à Cousy, tu vis pas dans les ghettos de la misère. Je vis dans le même pays. D'accord, dans le même pays, mais ça veut rien dire, même pays. C'est dans quelle classe tu vis, toi? Mais les différences de classe existent dans tous les pays. Mais je le sais. Pourquoi Giscard, il a été en Inde? Il veut faire pareil, des castes, là. Toujours que les fils d'ouvriers soient toujours ouvriers, les fils de riches toujours riches. Il est naze, ce système. Comme vous le savez, Vitry, c'est une ville communiste. Je préfère... mes idées sont plutôt basées sur la gauche que sur la société actuelle. Et là, Zahir, c'est son pote, non? C'est un pote. Tu t'es un peu trompé de voix. Ah, je suis un pote à Mustapha? Ouais. C'est un pote de Mustapha. Oui, mais attends, là, tu oublies un truc. D'accord, la gauche, mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande un commissariat et des îlotiers. Comme s'il n'y avait que cette solution, le commissariat et des îlotiers. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que l'intervention du Parti communiste et des jeunesses communistes à ce moment-là, c'est d'essayer d'utiliser la colère... des proches de Kader et des gens qui habitaient là suite à sa mort pour obtenir qu'il y ait un commissariat de proximité. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de commissariat à Vitry. Et donc, ils refusent même de participer à la manif qu'organisent les jeunes de Vitry parce que les jeunes ne veulent pas mettre une banderole en tête de manif qui demande un commissariat. Et donc, c'est pareil, dans Ils ont tué Kader, ils filment les représentants de la jeunesse communiste et du Parti communiste en train de venir les sermonner sur ce qui serait bien, c'est de demander plus de flics, c'est de demander un commissariat de proximité. Putain, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais, d'ailleurs, Vitry, on avait déjà lu un truc sur le PC à Vitry. Il y a des stalles, encore maintenant, qui défendent, qui prétendent radicaux de défendre cet héritage-là, quoi. C'est quand même un truc Mais par ailleurs, qu'est-ce que demande, par exemple, pourquoi LFI, qu'on dit toujours contre la police, machin, ils demandent quoi, effectivement? La même chose, c'est-à-dire la police de proximité, quoi. Et le PCF aussi, en fait, c'est toujours pareil. Comment il s'appelle, Yann Brossa, là le... Sa revendication, c'était un commissariat pour le 18e. De toute façon, là, ils disent, si que... pas déjà 10. Ils disent que l'humanité... Ouais, ils désignent tous les journaux, à un moment, et l'humanité y compris. Mais du coup, on avait lu un truc sur le PC à Vitry. Exactement, en 87, je crois. Pour ceux qui voudraient aller voir, c'était déjà pas joli. Un truc qui fait juste le lien entre insécurité sur le même sujet, et immigration. Voilà. Genre trop d'immigration fait que les gens se sentent en insécurité, quoi. Vous pouvez le retrouver dans les extraits de Radio Mad Max disponibles sur YouTube. Et le site internet. Évidemment. RadioMadMax.xyz. À Vitry, on est combien d'habitants? On est d'accord, on est 90 000 habitants, mais c'est pas avec le commissariat qu'on va arranger le truc. Les communistes, ils se disent contre les lois anti-immigrés, mais du fait de mettre un commissariat et des îlotiers, qu'est-ce que ça va faire, franchement? Ça va faire plus d'expulsions. Il y a des commissariats dans d'autres quartiers de Paris, dans le 7e. Ouais. Dans le 16e. Ouais. Il y a des commissariats et des îlotiers aussi. Et des expulsions, c'est pas toi qui vas à Fleury-Mérogis, qui te ramasse des coups de matraque et tout, et puis au dépôt, des bâtons dans le cul. C'est pas toi qui te ramasse ça. C'est nous qu'on se ramasse ça, c'est nous qu'on se fait écraser, qu'on se fait jeter dans les poubelles au commissariat. Ça, tu le sais pas, ça. Vous avez déjà été ramassé par la police? Comme quoi, apparemment, ils sont vieux comme le monde, les trucs de bâtons... De viol avec des matraques. Voilà, de viol avec des matraques, comme en ce moment, il y a l'affaire Théo qui passe en jugement, là. Bien sûr, je me suis déjà battu avec eux. Après, quand ils disent que je me suis déjà battu avec eux, ils disent que c'est moi qui ai commencé. Là encore, normalement, je devais passer au tribunal aujourd'hui. Alors, tu vois. Alors, c'est toujours nous. Toujours nous, c'est nous qui avons tort. Ils veulent pas comprendre. Voilà, t'es un jeune, casse-nous pas les pompes. Comme ça, ils disent. La réaction, disons, de beaucoup de Français, c'est-à-dire,
c'est de dire, puisque vous êtes travailleur immigré, mais si vous n'êtes pas content en France, pourquoi ne reportez-vous pas chez vous ? C'est une dinguerie. Quoi. Les Français. Tu es marocain, je crois. Tu es marocain ? Oui, je suis marocain. Moi, je dis aux Français. Du moins, tes parents sont marocains. Ah, tu as déjà été au Maroc ? J'ai déjà été au Maroc, bien sûr. Mais moi, ce que je dis aux Français, c'est que les Français ouvriers, ils sont dans le même problème que nous, on est tous des immigrés. Devant les riches, que tu sois français, que tu sois juif, que tu sois arabe, que tu sois n'importe quelle race, t'es un ouvrier. Ça y est, c'est une race à part, ouvrier. C'est comme ça qu'ils font. Ils font la ségrégation. C'est comme ça qu'ils la font. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent dresser les Français. Mais le racisme, on le trouve pas directement chez les ouvriers aussi, entre eux ? C'est normal. De toute façon, il faut pas dire que tout vient du racisme, ça vient de tout. De toute façon, eux, ils sont bien organisés. Le pouvoir de la droite ou la gauche, ils sont bien au-dessus. Là, ils essayent de dresser les Français contre les immigrés, ils dressent les vieux contre les jeunes, et comme ça, ça nous divise. Alors, au lieu de s'unir et puis de voir c'est qui les ennemis, on sait qu'il y a la droite, l'ennemi, on sait très bien. Mais après, il y a les autres comme la gauche. Ceux-là, les mecs qui votent Parti communiste. Bon, eux, ils sont peut-être de bonne foi, mais ils se font rouler, parce qu'ils votent pour qui ? C'est l'autre qui parle à sa place, c'est pas lui qui parle, c'est Mitterrand qui parle, c'est toujours Marchais qui parle. Alors c'est toujours Giscard qui parle, c'est pas les Français qui parlent. Ils font croire que c'est les Français qui parlent, mais c'est du baratin ça. C'est jamais la masse qui décide. Moi je pense que, il y aurait beaucoup de trucs à dire sur sa réplique d'avant là, sur le, ouais. À quel point il part d'une situation. Alors c'est pas au sens de l'orthodoxie communiste, je sais pas quoi. C'est une situation plus d'endroit de vie, de manière de vivre. Qui réunit paradoxalement des gens qui là se sont entretués d'une certaine manière, puisque le meurtre c'est le concierge qui a buté son pote, mais en même temps ce qu'il vient dire c'est on est tous ensemble là, on devrait être ensemble contre vous, donc sur retrouver quelque chose qui est complètement à l'opposé des formes de différenciation et de type communautariste, racialiste, etc. C'est-à-dire que sa revendication, c'est pas en tant que mon origine, c'est en tant que immigré en France, vivant dans une cité de banlieue et avec tout ce que ça implique dans le rapport à l'argent, à pas de travail, etc. Enfin, à une vie de merde. Voilà. Et du coup, son utilisation de race, là, elle est particulièrement incroyable parce que bon, c'est à une époque où personne utilisait les races. Et elle est, pour le coup, à l'opposé de toute notion sérieusement raciale. Quoi. C'est-à-dire que c'est une espèce de provocation d'utiliser race pour dire notre race, c'est ouvrier ou c'est ouvrier habitant dans les cités ou c'est voilà. Et c'est une manière d'opposer ça à la lecture en termes de racisme qui est le focus unique du présentateur, en fait. Mm. C'est quand même assez instructif. Quoi. Bah ça, l'intégration et le travail, quoi. Enfin, en vrai, c'est un peu les trois axes. La constitution de la figure du jeune de banlieue. Voilà, c'est ça, ouais. Comme une espèce de classe dangereuse. Qui est trop lié à son pays d'origine, le Maroc, qui est trop oisive, qui est trop illégaliste, qui est trop, etc. Enfin, vraiment la figure du jeune de banlieue. Quoi. Mm. Et c'est marrant la suite là qui va suivre sur le début du débat entre les deux. Enfin, c'est intéressant le truc, la confrontation là un peu sur les idées entre Mustapha et Zoher. Zaher. Oui. Sur la gauche. Oui, mais les idées de la gauche sont bonnes quand même. Elles sont bonnes, les idées, mais ça, les mecs, ils sont figés par les idées. On a tous ce pote SOSDEM qui est là, qui traîne. Elles sont bonnes, les idées, mais ça, les mecs, ils sont figés par les idées. Mais le résultat, il n'y a rien du tout. Bon alors, c'est tout ? On va pas... Si vous voulez bien, on sort un peu du débat de Mustapha et de Kader à Vitry. Si on entame le débat sur l'union de la gauche et sur la qualité respective des programmes... On s'en fout. Nous, ce qu'on veut... Je voulais donner une petite précision. Moi, je connais pas grand-chose de la politique. Je tiens à le dire, il y a de très nombreux spectateurs qui téléphonent en ce moment en antenne 2 à la rédaction, certains pour montrer leur accord et pour nous approuver de vous avoir invité aujourd'hui. D'autres, je dois dire, plus nombreux pour exprimer leur total désaccord. Je voudrais simplement dire qu'après les événements de Vitry, après la mort de Kader... Les gens, ils généralisent.
Il nous avait semblé juste de donner la parole à des gens qui n'ont jamais la parole, justement, à la télévision ou dans la presse. Ouais, mais attends, moi, c'est ça que je veux te dire seulement. Antenne 2, elle nous a fait poireauter. Au début, elle avait dit, oui, c'est une question de temps, tout ça. Alors, on les a vus, elle cabache, tout ça, là. Ils nous ont dit, ils font poireauter, alors ils disent que la télé, elle est libre, les journaux. Il y a un problème d'horaire à respecter, il y a quand même des problèmes d'émissions à fabriquer, il y a des problèmes d'émissions à fabriquer. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes venu aujourd'hui, Mustapha, vous êtes quand même venu aujourd'hui, votre film est passé. Oui, on est venu, mais quoi, il n'y a personne qui regarde la télé à midi. Mais si les gens regardent la télé, il n'y a qu'à aller au standard et le constater. En tout cas, les ouvriers, ils regardent rien du tout. Bon, si vous voulez bien, je vois quand même... Je vais quand même vous faire connaître que quelqu'un que vous connaissez peut-être pas encore, qui s'appelle Serge Ferrand, vous ne regardez probablement aussi peut-être... Si ? Apostrophe. C'est un chanteur qui chante dans le métro. Ouais, on le connaît. Alors à Apostrophe, il était passé chez Bernard Pivot. Même nous on chante dans les cages d'escalier. Oui, on vous a vu tout à l'heure. Ah oui, on est avec nos guitares et on chante. Il est venu présenter son livre Le Busker chez Pivot à Apostrophe il y a quelques semaines. On ne l'avait pas entendu chanter. Serge Ferrand, aujourd'hui je vous propose de vous écouter. Donc, il y a Serge Ferrand commence à chanter. Là, il a, il a, il a, là, 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 là. Wow. J'en perds ma bonnette. C'est un peu dans le film qu'ils ont passé entre temps là, au milieu de l'interview, dans les extraits de Zone Émigrée, on les voit en train de faire du rock, de chanter du Elvis Presley en sautant en l'air partout, de jouer de la guitare électrique, etc. Et donc ça correspond pas du tout à l'image. Enfin. Ouais, c'est. Je pense qu'il y aurait intérêt à regarder ces films qui sont disponibles, je crois, sur le site de l'INA maintenant. Et surtout, ils ont tué Kader, quoi. Donc, même cet extrait-là, il est dispo sur le site, etc. Sur le site de l'INA, il y a les trois films du collectif Mohamed et il y a l'extrait du JT, normalement. Mais effectivement, enfin, c'est un document assez intéressant, je trouve, pour. Bah oui, c'est sûr. Pas même à mettre en perspective aujourd'hui à comment sont traitées la question des meurtres de jeunes, etc. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Ouais, par exemple, si on prend un truc assez récent, tu vois, en tout cas, il n'y a pas eu ça. Comment dire ? Par exemple, le truc sur qui est pas à voir, mais enfin qui est pas exactement à voir, mais par exemple les trucs de Romans sur Isère, pas la base du truc, mais le après, c'est-à-dire les faves qui se ramènent, etc. Ouais. Le traitement, il a été différent de la part de même les médias très en général et tout, mais même la gauche, etc. C'était pas du tout la même chose. C'était beaucoup plus je sais pas comment dire, attiser un truc alarmiste, même si la situation est grave, mais pas, je sais pas comment dire, pas réfléchir en termes effectivement de ce qui, qu'est-ce qui identifier, qu'est-ce qui divise, qu'est-ce qui rassemble, qui est-ce qui veut diviser, etc. Qu'est-ce qui ferait que effectivement les prolétaires et tous ceux qui sont opprimés en général en France par exemple puissent se rapprocher pour en vrai combattre contre autant ceux qui organisent la précarisation en général de beaucoup de gens et aussi ceux qui profitent de ça pour créer des divisions raciales, etc. quoi. C'est vraiment, enfin, on sent que c'est vrai, il y a un truc qui est passé entre les deux et qui a un peu changé la conception de voir la lutte comme un truc beaucoup plus divisé qu'avant, quoi. Et c'est intéressant de voir que cette réflexion-là, elle vient de la part d'un jeune qui est invité à une émission grand public et qui le dit normal à la télé, avec sa manière de parler complètement naturelle, quoi. Sans qu'il y a, je connais pas l'histoire de ce jeune-là, mais je sais pas, il n'est pas formaté par pas quel discours politique, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, enfin, c'est assez subversif, quoi. Mais après, je pense que ça, là, de fait, il y a des films, il y a eu cet événement qui fait que... Donc, il y a une série de hasards qui fait qu'on a accès à ces documents-là
Premier hasard qui est qu'ils avaient un prof qui faisait des ateliers Super 8 et que du coup ils ont pris la caméra et qu'ils ont filmé par eux-mêmes et utilisé le matériel de montage, etc. pour faire leur propre film. Donc il y a déjà ce hasard-là qui était... Il y avait pas mal d'ateliers Super 8 dans les lycées de banlieue, etc. Mais c'est pas non plus, ça n'a pas à chaque fois donné des trucs comme ça, quoi. Et puis, il y a le hasard malheureux là, de la mort de leur pote qui a fait de cette histoire une espèce de fait divers national, etc. Mais je pense que ça reflète pas mal ce que c'est la réalité de vie. Enfin, quand on regarde leurs films Zone immigrée, des jeunes... qui habitaient dans ces cités dont il faut savoir que c'était quand même une espèce de figure récente, quoi. C'est-à-dire que là aujourd'hui à Romans-sur-Isère et tout ça on continue à agiter des fantasmes qui se sont construits depuis, qui se sont figés, qui sont avec lesquels tout le monde bricole, la gauche comme la droite, comme l'extrême droite depuis plusieurs dizaines d'années, mais à l'époque la fin des bidonvilles, les cités de transit, ouais. Et les débuts des barres d'immeubles, etc. C'est une réalité très récente, en fait. Ouais, c'est-à-dire que le fait que les gens se retrouvent parqués là, se retrouvent à être dans des espèces de zones où il y a à moitié rien, à part des flics qui les sillonnent, et qui se retrouvent à se faire virer des écoles et à être un peu dans un désœuvrement comme ça, à pas vouloir bosser, avoir leurs parents qui sont tués au travail pour pas grand-chose, qui meurent dès qu'ils sont à la retraite, voilà, pour anticiper sur le sujet d'après, sur santé et travail, et qui du coup ne veulent pas vivre c'est la même chose, c'est le début de ça, quoi. Et du coup, je pense qu'effectivement, ce hasard d'avoir des films et cette retranscription, ça permet de se faire une idée de comment se posait ce débat, cette question, avant qu'elle soit complètement parce que là, envahie d'idéologie et de fantasmes. Là, je viens de regarder, ouais, c'est fin, juste pour la rectification. C'est 79-80, en fait. Donc c'est avant même les Minguettes, la marche des beurs, etc. Donc ouais, c'est assez fou comme... Mais c'est intéressant, souvent il y a des vidéos de l'INA justement qui sont, enfin même n'importe quelle archive, mais qui peuvent être très... Enfin le feu, je te mets sur un truc, sur l'îlot, celui qui est à côté de Gare de Lyon là. Vous voyez ou pas, un îlot dans Paris, ouais, c'est quelque chose qui était un ghetto, qui était carrément un ghetto où il y avait beaucoup de trafic d'héroïne, etc. Et du coup ils vont dans les rues interviewer ceux qui habitent là, quoi. Et en vrai, il y a des... Comment dire ? C'est fou parce que le JT, il dit des trucs du style... Enfin, le mec qui fait le reportage, il dit des trucs du style les Arabes n'aiment pas les Noirs parce que c'est les dealers, etc. Et on voit que c'est pareil. Enfin, c'est la même chose. Les gens, ils sont tous dans le même bordel à l'intérieur d'un îlot à côté de la gare de Lyon qui est un vase clos, quoi. Là, les pouvoirs publics ont laissé les bâtiments se délabrer au fur et à mesure pour faire baisser les prix des indemnisations pour les expulsions, etc. Pour faire, en fait, et ils le disent dans le reportage, pour faire un truc d'urbanisme, d'assainissement et d'hygiénisme par rapport à cet endroit. Et on voit que c'est les mêmes problématiques qui se posent entre, en vrai, les pauvres qui se montrent contre les pauvres sur des critères identitaires qui, en vrai, font que ça bloque aussi toute perspective à ce moment-là de regroupement contre ceux qui organisent vraiment la ségrégation, pour le coup, spatiale dans le truc, et la misère laissée à l'abandon dans un petit îlot dans Paris, alors que le quartier autour, donc c'est Bercy, se développe à grande échelle pour accueillir les entreprises, la nouvelle gare de Lyon, etc., etc., quoi. Merci Simon Borderline pour le petit lien dans le chat. Exactement, et d'ailleurs merci à lui pour toute la pub durant, durant les fêtes. Et donc, on va lire un autre texte pour amorcer la discussion qui va suivre juste après. Mais avant tout cela, on me signale dans les studios une deuxième page de réclame. Donc pour une formation. En marxisme express, marxivite, réalisé donc par Damien. On va retrouver Damien, ouais. Damien, notre
notre Damien qui nous a contacté pendant les vacances pour nous proposer cette réclame qu'on a trouvé ma foi très intéressante, qui répondait absolument à nos enjeux du moment, à nos besoins, les enjeux du moment. Il faut être à la hauteur. Chacun avait besoin finalement au sein de Radio Mad Max de cette formation, donc que j'ai bien sûr accepté de financer pour toute l'équipe. Débloquer le budget. Débloquer Merci le budget. Max. Voilà, en tout cas. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et donc voilà, donc je vous laisse avec magnifique avec photo la réclame de Damien. Magnifique photo de Damien quand même. Magnifique photo de Damien. Exactement. BG, ouais. Impeccablement repassée. Alors la chemise est nickel. La chemise est nickel. Et légèrement ouverte. Impeccablement blanche. Juste après, donc on mettra un morceau de Dev Grips qui s'appelle You Might Think He Loves You For Your Money, But I Know What He Really Loves For You. Voilà. You for. He loves you for. You for. Pardon. Loves you for. The Dior. The Dior. Guy the Dior. Alors bien sûr, c'est possible de payer en CPF Pirates de l'Edelweiss, puisque cette formation est financée par Calopi, donc processus certifié par la République française. Et en chèque et en passe culture. Et en passe culture. Donc on vous laisse avec notre réclame pour la formation Marc Civit et le morceau de Dev Grips. Tu as passé des heures à nager sur des blocages de périph et dans des occupations étudiantes? Conseil de camarades, arrête, tu perds ton temps. Tu fais la même erreur que 98% des militants. Tu veux passer de primo militant à militant professionnel et ce, sans burn-out militant? Baisse ton poing et ouvre grand tes oreilles. Je vais te donner la solution, mais avant, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. Pendant des années, je suis allé dans des blocages, des occupes de fac. Bref, j'ai participé à des luttes et j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Je n'ai développé aucun savoir-être et aucun savoir-faire. Et un jour, en pleine organisation d'un SO pour une CS, cantine solidaire, j'ai soudainement compris que le capital allait s'effondrer de lui-même. J'ai alors conseillé les plus grands théoriciens de la valeur. Théologie communiste, Simone et Véro, les éditions Prise et Pratique, la revue Brouhaha. Est-ce que tu seras prêt à faire des sacrifices pour faire partie des 2% qui ont éveillé leur conscience de classe? Est-ce que tu seras prêt à faire le nécessaire pour rentrer dans l'arrière-garde? Sache que seulement 10% des gens qui regardent cette vidéo franchiront le pas pour transformer leur vie. Toi aussi, fais partie de cette minorité passive qui est capable de mettre en application ma méthode Marc Civit maintenant. Arrête d'être spontané, arrête d'intervenir, c'est l'erreur qu'ils font tous. Tu veux comprendre en seulement 15 minutes comment l'articulation de la classe juxtaposée à la valeur de la productivité substantielle de l'impact du surtravail sur le prolétariat mènera à son abolition? Tu veux impressionner les autres primo-militants avec des concepts compliqués pour te donner un air plus photosynthèse et ainsi avoir une chance de révolutionner la théorie communiste comme Negri ou Bordiga avant toi? Rentre de ta manif, pose ton cul dans ton canapé et suis mes conseils. Regarde, ça c'est Sébastien, un de mes meilleurs élèves. En seulement 3 mois, il a déserté toutes les luttes et ne fréquente plus que des cantines, des soirées de soutien. Avant, quand j'étais encore tiercio militant, j'essayais d'aller dans les luttes. J'essayais d'être inventif, de proposer des actions, discuter avec les autres. Mais j'ai bien vu que c'était peine perdue. Un jour, je traînais sur Tarif Lutte Info et je suis tombé sur la vidéo de Marc Civit. J'ai saisi l'opportunité. J'ai compris grâce à Damien et sa formation qu'on pouvait lutter en restant chez soi, car l'abolition du capital s'auto-engendrera. Mais quelle révolution! Depuis, ma vie a changé. Je n'ai plus à me fatiguer et je peux enfin briller dans le milieu. En 10 étapes, comme dans le manifeste, je t'apprends à sortir du militantisme pour rentrer dans la conscience de classe. Et en prime, pour toute inscription à la formation Marc Civit, ce PDF de seulement 2874 pages et demie sur l'articulation classe, race, genre est offert. Classe, race, genre. Thank you.
got your fucking dog in here. Come, come, fucking burn it. Trying to project. You trying to project. Kill your broke, hard shit. Fuck I said, fuck it, don't start shit. Yeah! Come, come, fuck a party. I hover above you, like blood out your mouth. I become you, opening up the mouth. Unlawful possession, jellyfish and ghosts went deep in. Hollow swells and disconnection. Your blood swell, my interest. Hijack, no questions asked. Stretch you out like latex mask. My scissors rope and tear. Come, come, fuck, party. Come, come, fuck a pardon here. I'm not you. Feel you very well, mademoiselle. Here's to your destiny. Hysteric scream out. Don't worry, interview. You'll all be somewhere else. Prepare yourself, freelance motherfucker! Get so fucking dark in here. Come, come, fuck a part in here. I down the process, you down the process. Kill a drum, hard shit. Fuck I said, fuck it, don't start shit. Emerald tablet apartment, toxic. Come, come, fuck a part in here. Et de retour sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la CAX. J'espère que vous avez apprécié la formation Marx et Vite, donc qui est toujours disponible. Qui est toujours disponible en ce moment. Voilà, le coaching de Damien est merveilleux. Validé par la street. Validé. Très peu. Très peu connaissent. Succès par la street. Donc on va poursuivre. On va poursuivre notre émission et rentrer dans le. Au cœur de la discussion. Finalement. Cœur du sujet donc une discussion qui porte autour de santé et travail et qu'on va introduire par un texte d'appel à discussion un petit peu méta de la bibliothèque des fleurs arctiques qui nous a semblé très intéressant de lire à l'occasion de cette émission. Donc il s'appelle Le Caire, nid d'espions. Donc le Caire, le soin, le Caire, nid d'espions, jeu de mots avec le film de la franchise. Il faut pas expliquer les jeux de mots. Ok, c'est pas grave. C'est quand même un truc qu'il faut savoir. Bon, ceux qui ont reconnu la blague rigoleront. En tout cas, on l'espère. Peut-être que quelqu'un veut nous lire le texte de présentation. Sinon, c'est moi qui m'en occupe. Hein, c'est... Je m'y colle. Donc, ça commence par une petite citation qu'on croirait tout droit sortie de la formation Marx et Vite, finalement. Moi, je me sens safe quand il n'y a pas de syndicalistes en AG. Les magouilles politiques, ça me trigger. La gauche, renouvelant sa critique réformiste et tout à fait bourgeoise du système capitaliste, puise depuis les années 2000 dans les théories anglo-saxonnes du care. Pour sauver les reliques d'un welfare déjà mort
et faire contrepoids à la tendance anti-jacobine et anti-intervention de l'État, du libéralisme, de la droite libertarienne qui tolère, voire valorise son lot d'évidents d'insoucis, de violence, de misère et de mort, c'est à la bienveillance des entreprises et des travailleuses qu'il faut faire appel. Poste des travailleuses, voilà, je n'explique pas le jeu de mots. Mais il y en a un. Il y en a un. Trouvez-le. Ah, il y a un stade où il ne faut pas non plus les souligner. Bon. On ne peut pas les mettre en italique. Faites ça. De la lourdeur un peu. Ou en majuscule. Alors je ne les ai pas soulignés parce que je n'ai pas utilisé l'outil crayon de Twitch pour souligner le texte. Qui tolère, voire valorise son lot d'évidents d'insoucis, de violence, de misère et de mort. C'est à la bienveillance des entreprises et des travailleuses qu'il faut faire appel. Post-État-providence et post-austérité. Pour donner ce dit visage humain au capitalisme de gauche, entre parenthèses, et lutter contre la mauvaise image produite par les suicides dans une entreprise comme France Télécom, par exemple, tout le domaine des relations sociales doit être ausculté dans une sorte de vaste audit social par les sociologues, philosophes, experts et managers en vue d'une capitalisation tout sourire au ras de la vie, des désirs et des émotions. Ça tombe pas si mal, c'est aussi une piste d'accroissement de la productivité de l'exploitation. Entre parenthèses, le mal de dos vous empêche d'être efficace au travail ? Vite ! Un audit pour changer les chaises au bureau. L'insomnie vous rend moins productif ? Vite ! Des pubs pour les somnifères. Le CARE, c'est cette idéologie tentaculaire dont une face prétend défendre le soin pendant que l'autre le met immédiatement au service d'une optimisation de l'exploitation. Femmes, valorisez vos compétences d'écoute pour réussir autant que les hommes. C'est dans un bouquin puant l'essentialisme de l'américaine Carol Gilligan, une voix différente, qu'est née pour la première fois cette éthique du CARE. Voilà la petite morale qui doit sans doute s'épanouir au sein de maintes grandes écoles où les critiques demeurent évidemment très internes au capitalisme et aux logiques de réussite sociale, où madame doit sans doute parfois négocier sa première note en arguant qu'elle a eu la charge mentale du CARE de monsieur qui n'avait pas prévu son sandwich lors de l'exposé sur comment bien exploiter la vie des autres. Jusqu'ici, rien de très nouveau, hormis la volonté d'une part de la bourgeoisie, celle qu'on appelle la gauche, de réformer le capitalisme par la valorisation de tout ce qu'une vision plus libérale et hardcore du capitalisme traite comme marginal et laisse à la gestion individuelle qui avait et a parfois encore davantage trait à des marges. Le bien-être, le soin domestique, l'aide de personne à personne. Rien d'étonnant donc à ce que l'idéologie du CARE oriente de plus en plus le travail social, reconduisant toujours sa logique d'intégration à marche forcée des uns et des autres. Il serait intéressant de réfléchir pour préparer cette discussion, méta, aux différentes évolutions des mécanismes d'intégration des exclus, des marginaux, des fous et des pas dans les clous qui s'orientent de plus en plus vers des accompagnements personnalisés, des études des besoins, des limites, quand ce n'est pas juste de la répression toute crue qui s'abat. Nous pourrons nous pencher sur l'élaboration d'une critique de ce renouvellement de l'investissement capitaliste dans le domaine des relations humaines, étant donné que la pandémie de Covid a exacerbé toute brutalité du rapport aux soins, à la vie, à la maladie et à la mort. Mais dans toute cette affaire d'idéologie, ou de politique, du CARE, il ne s'agit pas seulement de gestion sociale étatique. Une autre question nous préoccupe, qui a trait à la façon dont le CARE s'immisce dans les logiques de contestation sociale et les infléchit. L'aspiration à mettre en place des espaces safe et des endroits à moments censés permettre aux personnes habituellement marginalisées de discuter autour de leur vécu personnel de telle ou telle domination relève-t-elle bien du soin et de l'attention à l'altérité ? N'est-elle pas inscrite dans cette époque et dans cette idéologie qui se décline dans les versions gestionnaires étatiques, aussi bien que dans des techniques de soi ou dans des techniques de gestion collective, à vocation plus ou moins subversive ? La constitution d'espace safe est née à l'origine des mouvements contestataires LGBT et féministes radicaux des années 60-70. Ceux-ci voyaient en eux non un moyen de changer les individus, mais de connaître une diversité de situations différentes au sein d'une condition commune qu'on cherchait à abolir, le patriarcat, l'hétéronormativité, etc. Avec l'affaiblissement de la conflictualité sociale, il semble qu'on est tendu de plus en plus... On est tendu de plus en plus à voir dans le safe un moyen pour les individus d'incarner en interne les changements
qu'on souhaite voir à l'extérieur. Chose à laquelle le CAIR a l'air d'apporter une justification idéologique. Mais qu'est-ce que l'éthique du CAIR, complètement née au sein d'une perspective de réforme du capitalisme, peut bien avoir à faire dans des luttes, dans des AG, dans des aires de contestation sociale? Qu'est-ce que des militants peuvent bien trouver de subversif et de critique à un terme introduit en France par Martine Aubry? C'est quand même rigolo. Oui, c'est Merci à elle. Merci à elle. Que se passe-t-il quand, qui n'est pas une blague d'ailleurs, quand, dans une, dans une occupation de fac, une des préoccupations majeures... Martine Aubry, la fille de Jacques Delors. Anecdote. Jacques Delors, voilà. Qui nous a quittés, ah, il n'y a pas longtemps. Rubrique nécrologique à Radio Mad Max. Voilà. Donc, De même que Patrick Buisson. Ouais. Le cousin de George Bush. Non, bon. Que se passe-t-il quand dans une occupation de fac, une des préoccupations majeures est la constitution d'espaces safe et la prévention toujours floue de tout ce qui pourrait nuire au bien-être supposé des personnes? Il ne se passe rien. Le CAIR est-il une pratique ou une gestion? Le safe est-il une question de soins ou une question d'ordre? Pourquoi aurions-nous besoin d'identifier nos besoins et nos limites? Qui a besoin d'identifier les besoins et les limites des autres? Qui a la prétention de connaître ses limites et les limites d'autrui dans un moment de lutte et de transformation? Comment penser l'éthique et le soin dans une perspective sincèrement révolutionnaire? Ouais, donc ça fait... Enfin, ça introduit à pas mal de questions, pas toutes en lien directement avec la question du travail. Ouais. Après, le texte... dans ce texte-là, ça parle déjà de ce qui s'est passé pendant la pandémie, du Covid. J'ai l'impression que c'est quand même un bon exemple de période où la tension entre... maintenir les gens dans un minimum de soins de santé et en même temps essayer de les maintenir le plus possible en état de travailler c'était un peu la plus exacerbée. Ouais, ça aborde la question de du soin dans le sens large, hein, puisque care, soin en anglais, etc. Sur comment la question du soin telle qu'elle est utilisée par le CAIR au final la met au premier plan dans un truc très immédiat et met, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais met un plan plus lointain la question de, enfin fait passer après en fait la question de la subversion, de l'émancipation globale et de l'attaque contre les systèmes de domination qui existent et l'exploitation pour faire passer des trucs je sais pas des situations spécifiques d'abord etc. mais qui empêchent effectivement le regroupement, l'action, l'attaque directe quoi. Après moi je me demande si on peut vraiment parler de soins dans la question du CAIR, parce que je pense que dans cette idéologie du CAIR il y a énormément une dimension gestionnaire hyper pragmatique de chercher en tout cas dans le domaine du travail, c'est vraiment mettre des psychologues au travail pour empêcher en effet les suicides, mesurer combien de temps est-ce qu'il va falloir qu'une personne soit en arrêt maladie. Ce qui me fait penser à un truc dont j'ai entendu parler, qui est il y a un développement d'intelligence artificielle qui... Ah oui, c'est fou, ouais, c'est assez fou. Qui permettrait de mesurer quand est-ce qu'un employé a fini sa dépression. En fait, en devant parler justement à l'application sur son téléphone tous les jours, ce qui se base sur... des remarques, des observations en psychologie quand on est en dépression le débit de la voix, le ton est plus monocorde, etc. Et du coup c'est un algorithme qui vérifierait chaque jour en écoutant un employé il est apte à revenir au travail ou non. Et je pense que c'est exemple parmi plein d'autres d'utilisation en fait d'observations qui viennent juste de la question de la santé pour juste bousiller encore plus la santé à chaque fois. Et je pense que le CAIR va dans ce sens là de permettre de grignoter tout le temps les vies des uns et des autres. Puis du coup avec ça il y a aussi la question de la quelque part de la réemployabilité
enfin en tout cas de la question du soin et au travail est toujours soustraite à la question du travail en fait, et que c'est toujours une question qui est liée au fait de d'amener à mieux travailler, à mieux à se sentir mieux sur son lieu de travail, etc. Enfin, c'est tout le truc qui est théorisé par les trucs genre Silicon Valley, machin, où ils mettent des baby-foot. Mais les. Ouais, les. Jeunes, ouais. Dans le mais même des pose, trucs. Ouais, tous les trucs de. Il y a ça au champ. Hein, micro-napping. Mais, micro-napping, genre, vous êtes beaucoup trop fatigué par votre travail, mais prenez des siestes de 5 minutes toutes les 2 heures, etc. Tout ce qui est comme ça. C'est en vrai juste pour effectivement améliorer les conditions du travail pour le rendre plus supportable et la... améliorer le travail en fait. Oui voilà, et effectivement améliorer la triste. La productivité. Arrête. 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 Non. Et puis même t'as des trucs dans. Mais c'est fou que cette logique là elle soit venue dans les aires subversives qui sont censées lutter contre toute cette forme de réappropriation quoi. Enfin, on peut pas être aussi, je sais pas comment dire, on peut pas être aussi naïf et penser que ce genre de truc là c'est justement le capitalisme, il est très puissant dans le sens où il s'adapte à absolument tout et toutes les tendances qui peut-être à la base sont pas forcément censées le servir, il arrive à l'adapter pour juste faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui taffent mieux, plus de productivité, etc. Du coup ça fait que c'est après ce genre de logique de soins, etc., dans la lutte en soi, enfin pas du soin mais du care justement. Au final, ça, on arrive à un truc un peu un gloubi-boulga de développement personnel, du care, etc., qui n'a rien à voir au final avec l'émancipation, quoi. Oui, et le soin en tant que tel. Ouais, aussi. Bah pour, justement, il y a Frax qui aborde un truc qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est le truc du savoir-être là, donc qui était rabâché à fond par Pôle Emploi. Enfin, qui est une espèce de notion, en gros, dont on a déjà parlé dans des précédentes émissions, mais qui est en gros des notions de comportement à avoir en entreprise. Feu Pôle Emploi, exactement. France Travail, désormais. RIP. RIP. et qui est effectivement toute une question de, ouais, ça, de posture que les gens doivent avoir dans l'entreprise. Et qui vont avec une certaine justement un truc de pour pouvoir se sentir à l'aise dans l'entreprise, pour que ton responsable se sente bien avec toi, etc., bah t'as un certain nombre de savoir-être à respecter, quoi, ou à que tu as de base, tu as déjà tous les savoir-être. C'est ça aussi la douille dans le truc, c'est que c'est en gros t'as des, c'est un peu comme avec les gamins en maternelle quoi, c'était en cours d'acquisition machin, etc. Enfin t'as des niveaux de, c'est ça les formations pour l'emploi, t'as des niveaux, t'as des points dans les savoir-être machin, et en fait en fonction de ça, bah ça, toi ça va t'aider si tu connais les savoir-être qui sont en cours d'acquisition. Alors c'est pas ça, c'est tes axes d'amélioration, donc les savoir-être dans lesquels t'es un peu moins bon, bah au moins tu sais que t'es là-dedans, du coup t'es raccord, donc tu vas mieux te sentir dans l'entreprise machin, et un truc de confiance et de sympathie avec ton patron qui va se créer à partir de ça quoi. Il y a ça beaucoup aussi à l'école maintenant, hein. Les trucs de, même si c'est dirigé sur la question du harcèlement, etc., le truc des cours d'empathie là qui ont commencé d'ailleurs, si je sais pas, d'aucuns ont des petits frères, des petites sœurs, ou des, je sais pas, des darons profs des enfants, dans les écoles etc. Oui, des enfants. et des cousins, car il y a des gens qui des gens ont des enfants. Et donc, si jamais ils ont des infos sur ce que c'est vraiment, moi je sais juste que c'est par exemple des groupes de parole où les jeunes, enfin les enfants disent qu'ils se sentent pas bien ou s'ils se sentent bien, etc. Mais le truc des cours d'empathie et même en général de la développement des compétences psychosociales par l'école, bon là c'est cours d'empathie, mais il y a aussi ça, les capacités, etc., où il y a un truc qui apprendre est. Apprendre à reconnaître ses émotions. Voilà, et trucs comme ça, je crois qu'en. Oui. Voilà, c'est et ça. Dans les bouquins jeunesse. Pour les gérer. Et donc, ah oui, oui, oui. Énormément dans les bouquins jeunesse. J'ai retrouvé malheureusement aussi à ouvrir en bibliothèque pour enfants, pour lire à des enfants un livre. En fait, c'était un livre qui parlait d'un loup qui ressentait tout trop fort. Et en fait, il fallait apprendre à faire du yoga pour qu'il arrive à maîtriser le rouge qui est la colère, le jaune qui est la tristesse. Et voilà. Alors, jaune qui était la couleur du diable, en fait. Oui, voilà, alors que au Moyen-Âge. Il n'y a même plus d'histoire. C'est juste même qu'après adulte, les gens regardent, apprend à ne pas cringer en regardant des vidéos. Ou à ne pas rire, ou à ne pas. La communication non violente. Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. 5 maintenant, 5. N'essaye pas d'influencer des trucs.
Mais l'autre fois j'ai lu un truc que j'ai obtenu sous le manteau, qui est un projet, un projet Darknet. Sur Darknet. Non, parce que je connais quelqu'un qui était sollicité par une asso qui veut faire un truc genre se lier avec l'éducation nationale, mais pas vraiment, pour justement s'occuper des compétences, des fameuses compétences psychosociales pour les élèves. Et donc les activités proposées, par exemple pour l'association, des associations en général, enfin elle va faire un réseau d'associations, c'est je sais pas, apprendre aux élèves à faire des siestes, tu vois. Apprendre aux élèves à être fiers de soi-même. Que des trucs comme ça, qui ont l'air justement un peu des formations à la Marx Civit, mais en différent. En critique pas mal. Avec moins de théorie communiste, quoi. pour développer des trucs un peu aberrants, mais qui se font aussi, je sais pas, de fait, dans les relations avec les autres, que par exemple l'école peut empêcher dans certaines mesures, etc. Quoi. Les trucs de compétences, puisque cela et tout, c'est dès l'école, dès sûrement la maternelle, ça doit être encore pire dès les plus jeunes années. Quoi. Peut-être après, ça disparaît un peu pour les compétences professionnelles en tant que telles, mais ça doit rester beaucoup. Quoi. En fait, c'est dès le départ formater un rapport à qu'est-ce que c'est se sentir bien, se sentir en bonne santé, se sentir... C'est ça la question, en fait. C'est que c'est pas améliorer l'état de santé psychique ou physique des gens, c'est formater qu'est-ce que ça veut dire être heureux, qu'est-ce que ça veut dire se sentir bien, etc. Et là, l'espèce de propagande de ouf complètement liée aux Jeux Olympiques qu'ils font sur le sport à l'école, en rajoutant des heures de sport parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Collectif anti-sport. Donc moi, je fais partie du collectif anti-sport. Ouais. Non, mais... D'ailleurs, sport et éducation sociale qui ont été mises ensemble, mais ministère du Travail et de la Santé qui ont été mis ensemble. Voilà. Par ailleurs, dernièrement. Par ailleurs, au cœur de l'actualité Radio Mad Max. C'est ça qu'on fait cette émission. Alors c'est... Du coup, en disant ça, on voit qu'on fait pas trop ça. Mais... Parce que si on regarde la réalité des messages qui sont transmis sur les questions de santé, que ce soit au travail, que ce soit dans les pubs sur la bouffe ou les trucs comme ça, c'est toujours des espèces d'injonctions contradictoires, genre manger mais pas ça, mais pas ce qu'on vous demande de manger, manger plutôt autre chose, plutôt des fruits et légumes en regardant une pub pour les hamburgers. Dormez bien, mais pas trop longtemps quand même, voilà, parce qu'il faut quand même se réveiller à l'heure pour elle, tout à fait. Ouais, voilà, et donc une espèce de manière de enfin, si on regarde les applications, qui est en fait juste une manière de rendre un peu fou, quoi. Mais ou alors de se, enfin, si on suit les prescriptions de santé qui sont données à l'école sur les pubs, machin, etc., on passe la journée à s'occuper aux conditions du gouvernement de nous-mêmes, quoi. Enfin, c'est sur l'histoire de biopouvoir, etc., c'est quand même assez évident, quoi. On passe la journée à faire 30 minutes de marche, à manger 5 fruits et légumes, à bien mâcher, je sais pas quoi, à surtout pas fumer, à machin, à truc. Voilà, à bien parler à tout le monde, à faire des micro-siestes, c'est quand même un peu dingue, quoi. Et qui correspond beaucoup à l'idéal de la médecine prédictive qui s'est vachement déployée, théorisée et aussi pratiquée ces dernières années, qui a été beaucoup avancée par un des élèves de Foucault dont on avait déjà parlé dans d'autres émissions quand on parlait de la question de la gestion par les risques de la société assurantielle. Evald, qui ressemble à Evin, au cas où. Evin Evald, c'est vrai que ça se ressemble un peu trop. Bah justement, Evald. Peut-être un alias. Est plutôt partisan du fait que les personnes qui fument n'auront pas leur chimiothérapie prise, payée par la Sécu, parce que la médecine prédictive justement vise à pouvoir à partir de comment est-ce que tu vis, comment tu manges, quels sont tes antécédents, est-ce que tu te responsabilise au niveau de ta santé et que du coup, vu que tu as un facteur de risque d'avoir un cancer des poumons plus élevé, ben, il faut pas fumer. A-t-on déjà dit qu'Evald était l'élève de Foucault ? Je viens de le dire. Ah oui, excusez-moi. On peut le redire. Encore une fois, j'avais le coup de souligner. Evald était quand même un élève de Foucault. J'avais pas entendu. C'est une application du biopouvoir, en fait. Voilà. C'est un bon élève de Foucault. De prendre le biopouvoir. Ah bah je vais faire le biopouvoir en fait. C'est ça. Et après dans le texte là, ce qui était intéressant aussi, c'était qu'il revenait sur la première fois où il y a vraiment eu une espèce de scandale, enfin pas la première fois,
un scandale relativement récent et assez énorme sur le rapport santé-travail qui était les suicides à France Télécom, qui ont quand même fait beaucoup parler parce qu'il y en a quand même eu énormément sur une période. Enfin, je sais plus le nom que c'était, mais c'était c'était beaucoup. C'était incroyable. France Télécom, ex Orange pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent. C'était comme un mouvement social. Bref, en tout cas. Waouh. En tout cas. Badon. En tout cas, face à ce problème de suicide qui était des suicides au travail, enfin, il y avait une espèce de voilà, de... Ça a duré plusieurs années. Le travail tueur en série, quoi. La réaction qui a été trouvée, c'est de capitaliser sur la question de la santé en créant une espèce de label psychologiquement safe pour les entreprises. Label qui est obtenu en employant des espèces d'entreprises de psychologues qui se soumettent à ce truc-là et donc qui font d'abord un audit pour savoir si ça va bien au niveau psychologique dans l'entreprise, qui en général prescrivent de proposer une ligne d'appel qui est à peu près l'inverse d'une consultation sérieuse, c'est-à-dire que les gens appellent mais il n'y aura aucun suivi. Et voilà, mais le fait qu'il y ait la ligne, ça veut dire que l'entreprise est safe. Et ensuite, c'est vraiment une idée assurantielle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a le label safe, et voilà, si les gens se suicident, ben c'est plus la faute de l'entreprise, puisque toutes les précautions ont été prises. Et ce qui est quand même un peu fou, c'est qu'il y a des psychologues qui... bon, il y a eu des protestations, etc., un peu évidentes sur le fait que déontologiquement, c'est n'importe quoi d'être psychologue payé par le patron pour... aider les employés à mieux travailler pour le patron, enfin que ça, voilà, psychologiquement ça peut pas apporter grand chose aux gens, mais que à côté des protestations, il y a eu aussi des plein de psychologues qui sont mis à travailler pour faire ces audits et pour valider le fonctionnement des entreprises, quoi. Et pareil avec les ergonomes dans les facs de psycho, il y a des sortes de laboratoires d'ergonomes qui leur taf c'est d'aller sur des lieux de travail, d'observer comment est-ce que des gens galèrent et mesurer s'il faut surélever la chaise ou des trucs comme ça, enfin, pour améliorer le travail, en vrai. Le rendre plus efficace, enfin, ils sont payés par les entreprises. Un travail passionnant. Bah ouais, la question de l'amélioration des conditions de travail, c'est ça que ça donne, en fait. Enfin, le capitalisme n'est pas forcément contre d'améliorer les conditions de travail, dans la mesure où... il a compris depuis un certain temps que ça engendre une meilleure productivité. Ça améliore la productivité, voilà, et que la reproduction de la force de travail, c'est pas juste maintenir les gens au minimum pour qu'ils aient des enfants et qu'ils puissent vaguement s'habiller, mais que travailler cette question de la reproduction de la force de travail, ça implique aussi quelques aménagements comme travailler avec des psychologues, comme machin, etc., pour se donner. Enfin, pour faire comprendre aux gens que le travail rend heureux et que le travail donne la santé, quoi. Et après, bah, l'autre versant de ce lien santé-travail, c'est que c'est les endroits, les personnes qui sont jugées les plus improductives, enfin qui produisent rien au niveau du travail, qui se retrouvent dans les situations souvent sanitaires les plus trash, et ça c'est vraiment ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est en prison, dans les EHPAD. Ouais, et en vrai aussi les gens qui travaillent avec les conditions de travail les plus dégueulasses. En vrai les sans-papes, ils sont pas couverts alors qu'ils bossent sur des chantiers, en fait. Et du coup il y a énormément de morts sur les chantiers. Oui, improductif et indésirable. Ouais, c'est ça, il y a vraiment ces deux versants là pour le coup. Effectivement, le Covid, c'est un exemple assez frappant, enfin en tout cas sur les politiques de santé qu'il y a eu ces dernières années. D'ailleurs, on avait lu que vous voyez tout en noir quand même, parce que par exemple chez Google maintenant, t'as le droit à des massages. Il y a des piscines à boules, genre. Voilà, il y a des piscines à boules. C'est-à-dire au niveau bien-être, je trouve que le progrès a quand même bien avancé, le progrès social, quoi, au niveau du bien-être en entreprise. C'est vrai qu'il y a le Happiness Manager qui est vraiment qui incarne tout ça, ce truc-là. Mais d'ailleurs, on avait vu un texte, je sais plus à quelle émission, j'ai essayé de retrouver, mais j'ai pas retrouvé là, sur justement la question de Yezouzem, d'ailleurs, qui a été partagé dans le chat. Entre Covid et Covid, jours de carence, etc., qui avait été fait au début du moment l'année dernière sur la suppression des jours de carence pour le Covid. Ouais, ça me fait... la suppression des jours de carence. La suppression, la suppression. La restauration des jours de carence. Ouais. Il faut supprimer la suppression. Il y a un trait qui avait été fait d'ailleurs à ce propos. Qu'on avait lu. Il est sur le site. Tout à fait. Sur le site de Radio One Max.
Et ouais, ça me fait penser aussi à une histoire d'il y a pas longtemps du mec qui avait cassé la gueule du gars, enfin du médecin là, du vieux médecin qui avait voulu aller le contrôler chez lui pour ah oui, c'est vrai. Pour l'arrêt maladie. Et c'était pareil avec le Covid, mais c'est plus ce que je voulais dire. C'est bête. Problème d'attention, Kill, ce soir. Je pense qu'il y a un truc aussi qui serait intéressant à creuser, qu'on va peut-être creuser dans une prochaine émission avec un témoignage en live. C'est la manière dont Pôle emploi, enfin France Travail, se relie à la question de la santé, prend en charge l'employabilité des gens, y compris par le biais de la question de la santé. C'est-à-dire, il y a une espèce d'image que ce serait... un reste du welfare qui serait que eh ben, si on n'a pas de thunes, quand on est pris en charge par les services sociaux, ils vont quand même nous filer de quoi, peut-être, avoir des lunettes si on a besoin de lunettes, avoir un peu de médecin si on a besoin de médecin, un peu d'hôpital si on a besoin d'hôpital. En fait, c'est très vite pas ça, puisque maintenant, il y a un truc qui s'appelle parcours emploi santé, où il y a une espèce de truc complètement cynique du fait que tout ce qui est fait, tout ce qui est donné pour la santé du chômeur va être lié à un espèce d'investissement de rentabilité sur le fait que ça va le rendre plus employable et que voilà. Et je pense que c'était ce cynisme-là qui est... Enfin, le changement par rapport au welfare, il est dans la quantité de... on va dire de services qui sont pris en charge, etc. Mais il est aussi dans... la manière dont l'idéologie se diffuse. Là, on n'est même quasiment plus dans on va vous apporter le bien-être et le bonheur. On est dans. C'est quasiment ouvert, quoi, le fait que la santé, c'est pour travailler, quoi. Mais d'ailleurs, même les violences physiques sont comptées en interruption de travail. C'est-à-dire, en les ITT, quoi. Genre la manière de compter le fait que t'es pas bien ou je sais pas quoi, ou le préjudice, c'est forcément en termes de travail, quoi. Et l'autre truc que je voulais dire, j'ai retrouvé, c'est que ça, la question de la santé, du travail, etc., ça pose la question qu'on avait abordée en septembre, le truc de l'assistanat. Et par exemple, le flicage des arrêts maladie, c'est pour ça que j'avais énoncé ça, c'est que c'est effectivement le contrôle, il est fait. Enfin, les médecins, ils sont employés pour le coup pour débusquer la fraude. Il y a aucun autre moyen de voir ça autrement que des visites pour aller voir si les gens est douillent ou pas. Et du coup, ça se voit que la santé est vraiment aussi utilisée dans le sens de effectivement remettre les gens au travail, et ceux qui veulent pas, et ben on va aller voir chez eux si en fait c'est une douille ou pas, et profiter du fait que la santé, ça peut permettre aussi de débusquer les fraudeurs et foutre des amendes. Et même la question de l'AME, etc., c'est que effectivement, comme tu disais tout à l'heure aussi, il faut participer à l'effort national de la santé, par exemple pour les trucs d'hygiénisme et tout, ne pas l'aggraver, quoi. Et deuxièmement, faut participer à l'effort, sinon on n'a pas le droit à la santé. Faut forcément monnayer, forcément participer à l'effort monétaire, quoi, financier, pour avoir le droit en contrepartie de pouvoir être soigné, quoi. Après, dans les liens santé-travail, il y a aussi le lien inverse sur lequel tout ça s'appuie quand même plus ou moins, qui est le fait que ça fait longtemps que le soin psychique a validé l'idée que travailler fait partie de ce qui soigne, en fait. Ce qui est quand même, quand on sait ce que ça fait le travail au corps et à l'esprit, ce qui est quand même assez dingue, quoi. C'est-à-dire l'idée que... avoir un travail, c'est ça qui va donner une dignité, c'est ça qui va rythmer la vie pour que les gens soient pas dans des situations de... C'est comme si ne pas travailler, c'était forcément être dans des situations de type d'assédie, quoi, de ne pas s'occuper de soi, etc. Les injonctions au travail comme manière de s'insérer dans la société et de... d'avoir une vie qui soit pas n'importe quoi, etc. Un cadre, enfin, l'idée que si on n'a pas de cadre, on devient fou, et que le cadre, c'est le travail, et que donc ne pas avoir un travail, c'est refuser le cadre, et donc c'est donc un peu fou déjà en soi. C'est une idée qui est diffusée par beaucoup de psychiatres, psychologues et psychanalystes depuis pas mal de temps, quoi. Et avec même des établissements pour accompagner la réinsertion au travail de gens handicapés, les ESAT,
Ouais. Bah ouais, même les, ouais, c'est vrai, même les cafés faire joyeux. Les vieux, faire travailler les handicapés. Les cafés joyeux, etc. Quoi. Actuel, mais ouais. Avec ce truc de temps, les c'est... soigner, enfin, ouais, ce ça. Discours-là. Il bah, y a ça, et il y a aussi, bah, sur le truc, ça m'a fait penser à ça, le commentaire de Frax, là. Dites-moi où vous avez pas mal. Enfin, dites-moi où vous avez mal pour que je sache où vous avez pas mal. Et il y a vraiment ce truc-là, chez les handicapés, quoi. C'est. Tu peux pas. Tu peux pas parler. Ah, par c'est contre. Ça. C'est ça, t'es sourd. Bah, ça va, en fait, tu peux faire de la manute. Tiens, prends ton mi-temps thérapeutique dans un truc de manutention, machin. Et... ou c'est ça, ouais, où tu peux pas parler, bah, tu peux mettre en page des fichiers Word. Et le tout appuyé sur des campagnes contre les discriminations, sur l'inclusivité du travail. C'est ça, ouais. Mais en même temps, ça correspond à une réalité aussi. Ce truc de aussi le fait que le travail, ça. Comment dire. Enfin, dans la vie aujourd'hui, mais en vrai depuis longtemps, ça correspond à une réalité, c'est que de fait, il y a beaucoup, par exemple, d'espaces de sociabilité qui dépendent maintenant du travail. C'est-à-dire, pour reprendre un concept cher à Max, l'atomisation. Ou, ouais, c'est pas vrai. C'est le truc, par exemple, enfin, je sais pas, par exemple, eMarket, c'était aussi. Non, depuis qu'il a fait la formation Maxivit, il dit segmentation. Je dis segmentation de l'Empire, en fait. Empire impérialiste. Non, Negri. Par exemple, je sais pas, eMarket, c'était le ce qui avait aussi, je crois, si je me souviens bien, mis le feu au poudre, c'est l'interdiction des Biergarten. En partie, non, ou un truc comme ça. Donc là où les prolos, ils allaient prendre des bières après le taf, etc. Et que du gin et de gin. Les émeutes du jean. Au début du 20e. Mais par exemple, si on interdisait la post-clope, et comme véritablement, ce serait. Les futures émeutes de la post-clope, j'allais dire. De la clope dans les lieux publics. Et en vrai, c'est que ça correspond à une réalité, c'est que plus le capitalisme et l'État, ils empêchent la réunion sociale dans d'autres lieux que le travail, où j'ai l'impression que pour les gens aussi, c'est galère. Enfin, je sais pas, en vrai, si je me mets là. Peut-être tu débarques dans une ville et t'es chômeur. Enfin, je pense que c'est dans un sens aussi. Le truc de sociabiliser avec des gens et de créer des vrais liens, etc., il n'est pas du tout rendu facile par le fait que maintenant, la chose centrale où lequel les gens passent le plus de temps et qui est très important pour effectivement déjà être accepté par la société en tant que travailleur, parce que sinon il y a des gens qui vont te faire chier, mais même avoir les possibilités de rencontrer des gens et de parler avec eux longuement, etc., sont les espaces de travail, quoi. Ouais, c'est ça, et ça, le capitalisme, il l'a. Oui. Très bien intégré. Avec tous les after-work, après, voilà, machin. C'est ça, exactement. Après le Covid, il y a eu une explosion des trucs d'after-works, etc., machin, de soirées d'entreprise, de trucs d'organiser des team building. Des team building où tu vas au Maroc pendant une semaine c'est dans ça, une baraque, mais t'es payé par le taf, etc. C'est du way. Mais c'est du way. C'est ouais, d'intégration ils font ça à l'école, ouais, ça à l'école de commerce. C'est quand même un sacré niveau d'humiliation, d'aliénation. Social pour faire ça en fait, pour faire des soirées de team building, je sais pas quoi. Enfin, il y a des gens qui font ça visiblement avec entrain. Enfin, il y a des gens qui ont bah oui. D'adhérer. Mais c'est sûr. Et c'est fou quand même. Mais aussi lié. Non, mais aussi lié à une atomisation qui a eu lieu pendant le Covid quoi. Et qu'aussi, je pense qu'il y a un truc où beaucoup de gens se sont retrouvés tout seuls avec un vrai sentiment de solitude quoi pendant les confinements etc machin et que ce truc là il a à mon avis il est vraiment pensé pour répondre à ce truc là quoi et à fournir de la sociabilité en bar. J'ai déjà la fête des voisins liée au taf tu vois. La fête des voisins, c'est une fois par an. Mais pourquoi on n'a pas un. Ah, je peux te dire que je m'y connais. Pourquoi on n'a pas eu le droit à un team building Max Radio Max Mais pas l'argent, c'est de la radinerie. J'appelle Damien, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Où vont les financements des formations en fait? Elles vont dans des paquets de cigarettes. Oui, c'est vrai, ça va faire casse-quitte qu'au Japon, c'est vraiment. Oui, c'est très vrai. Très poussé de ça. Ouf, ouais. Il faut, mais ce qui est marrant, c'est qu'au Japon, de c'est l'inverse de. Patron, quoi, et c'est l'inverse de en France, mais il y a un peu cette logique-là, c'est qu'au Japon, t'es obligé de te bourrer la gueule et de finir en calbar avec ton patron. Sinon, c'est impossible de progresser dans l'entreprise, quoi. Sinon, les dîners d'affaires se concluent pas, quoi. C'est ça. Voilà, il faut se démonter au saké et au soju, genre, sinon, ça, tu peux pas espérer une promotion, quoi. Stripteaseuse et machin. Ouais. Attendez, mais là, on vient d'avoir un. Peu comme à la boulangerie de Jonzac. Hein. On vient d'avoir un spam. Ah, mais ça afflue les. Putain, on devient. Ça veut dire qu'on est dans le game, là. Si on a des bots russes ou je ne sais d'où, ça veut dire qu'on est dans le game. Un spam dans le chat. C'est l'opération Doppelganger. Je vais. C'est Poutine. Je vais m'en occuper. Attends, mais c'est littéralement un truc sur le management, genre c'est génial.
C'est assez fou, quoi. C'est vrai qu'il y a des flexible and convenient order management sur Twitch et qui écoutent le mot management et tac, ils te font une pub. Donc on va l'éjecter. Ah non, bah faut le laisser, c'est hyper drôle. Mais non, faut le laisser. C'est aussi. Hyper drôle. Faut faire un commentaire. Je voulais faire valoir mon. Si je réponds quelque chose. Ouais. Bon. Que ça n'engage que eux. Ça n'engage que le capitalisme, pas nous. Damien. Damien, on t'a reconnu, arrête les blagues. Hein. Voilà, bon. Bah si ouais non. Alors je pense que ça serait intéressant de discuter des luttes sur qui partent un peu de cette question, parce que j'ai l'impression que souvent le piège c'est la défense du welfare, défense de c'était mieux avant, l'hôpital public, et ces derniers temps j'ai l'impression qu'il y a peu de dépassement. Il y a Olympique Mirafiori qui propose une lutte des fleuristes pour avoir le droit de fumer et puer, parce qu'apparemment il y a chez des fleuristes qui empêchent de fumer pour pas que les gens puent, parce que comme ils vendent des fleurs il faut qu'ils sentent bon. Et déjà pourquoi ils pueraient enfin? Alors en fait ils pourraient mettre le parfum Guy de Dior. Réclame. On va démarrer une lutte, hein, tout de suite. Des gens qui vendent des fleurs de l'Antarctique. C'est ça. Alors je propose qu'on discute de tout ça après le spot publicitaire de Guy de Dior, parce que les réclames passent deux fois. Et qu'on passe également un morceau de musique de Jared Fertilizer qui s'appelle Parasitique Pathologie. C'est vrai qu'il faudrait parler de LinkedIn après aussi. Pathologie. On parlera de LinkedIn, bien entendu. Mais tout d'abord, on vous remet une des deux réclames du jour, le parfum Situation. Quelque chose que tu ne peux pas voir. Je suis invisible. Je suis imaginaire. Je suis ingouvernable. Je suis debout. Je n'aurai pas lieu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. Pour l'appel. Situation. Eau de toilette. Pas Guy de Dior. And the angel said, if any man worship the beast, he shall drink of the wine of the wrath of God, and he shall be tormented with fire in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they shall have no rest day nor night, they who worship the beast. Let's go.
Et de retour sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la cax. Et on a un petit écho. Piraté par les bots russes. Piraté par les bots russes qui nous vendent des formations. Oui. Si, bon, je voulais répondre à un commentaire d'Olympique Mirafiori, parce qu'effectivement, il y a tout ce truc-là des réseaux sociaux internes d'entreprise. Moi, j'ai eu ça également dans une pareil, je me suis fait slacker. Je me suis fait slacker, moi aussi, dans une entreprise pour laquelle j'ai bossé peu de temps, et qui m'ont dit, mais t'as regardé le Slack hier soir là quand t'es rentré du taf, parce que machin, tu recevais les instructions de machin, les actus de la boîte, les promos internes. C'était un magasin. Et voilà. Et effectivement, avec tout un truc de souder les gens par le Slack, machin, qui faisait des vannes entre eux et tout. Mais même LinkedIn, à la base, c'est un truc de recrutement professionnel, mais au final, les gens finissent par l'utiliser comme Facebook, etc. Et donc, en vrai, leur relation, c'est les relations professionnelles, quoi. Le travail, c'est un lieu de vie, y compris virtuel, quoi. Je veux dire, le fait que les gens s'inquiètent pas de voir des baby-foot et des frigos et des canapés arriver sur les lieux de travail... C'est bizarre de pas voir que ça veut dire que la vie elle va être là quoi. Enfin que le but c'est que la vie soit là quoi. Mmh. En fait. Mmh. Et ça genre même à l'école déjà. Enfin genre il y a dans plein d'écoles d'ingé et tout. Il y a déjà un peu cette atmosphère là où tu passes ta vie dans des campus qui sont éloignés de tout et ton seul réseau de sociabilité, les seuls trucs que tu peux faire c'est dans l'école. Il y a déjà des baby-foot, les trucs où tu peux rester dans ton école toute la journée. Si t'es en école d'info, tu vas coder toute la journée, tu traînes avec toujours les mêmes gens. La charrette. Tu vas charrette. Mais enfin voilà, c'est déjà en fait dès l'école qui forme des ingénieurs, donc c'est déjà le préambule, enfin le comment on appelle ça, l'antichambre du travail quoi. Genre c'est déjà des comme ça quoi. Là par exemple, si on regarde, il y a vraiment un magazine qui s'appelle Santé et Travail. Magnifique. Comme exactement comme le titre de l'émission de Radio Mad Max. Magazine de référence des acteurs de la prévention en entreprise pour la défense de la santé et l'amélioration des conditions de travail. Et ce qu'ils se sont demandé pendant la réforme des retraites, c'est comment tenir jusqu'à 64 ans. Alors c'est ça l'article, et ils disent la retraite avant l'arthrite, métro, boulot, caveau, etc. Oh, c'est tellement cynique la retraite avant l'arthrite. ouais, mais c'était des slogans de la réforme des retraites, ça. Enfin, contre la réforme des retraites. Et donc, ce qui est cynique, c'est de les réutiliser. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est. Eux, ce qu'ils disent. Ouais. Oui, mais, voilà, c'est ça. Mais eux, ils disent, effectivement, c'était ça les slogans dans la réforme des retraites. Il y a du vrai. L'arthrite est en moyenne, apparemment en moyenne, autour de 60 ans. Mais du coup, ils disent, comme il y avait ça, la question, c'est. Ça peut, tu vois, pour eux, c'est pas. Comme il y a ça, c'est peut-être que la source du mal, c'est, si je peux dire ça. C'est le travail, mais c'est origine du mal. Tu es en biblique. C'est le travail. Mais du coup, comme ils ont dit ça, c'est la pomme. Quoi. Il faut améliorer le travail, quoi. Faut pas même les 64 ans. Enfin, la question, c'est après. Je suppose que l'article, ça doit être un truc du style. En fait, faut moins travailler peut-être, ou la retraite à 60 ans, c'est quand même plus envisageable. C'est pas moins travailler, c'est mieux travailler. Après ouais. Si, il y a ce truc là qui se développe. Pas mal, justement sur le truc de santé machin. Je sais pas, moi j'ai vu plusieurs trucs de JT parler de ça et tout ça. De passer à la journée de 4 jours, à la semaine de 4 jours, pardon. Qui ne diminue bien entendu pas le temps de travail. C'est toujours. C'est juste le temps de travail est condensé sur 4 jours. Avec un truc de week-end de 3 jours, comme ça permet aux gens de plus de faire la fête entre eux. Voilà. Ça rentabilise davantage les loisirs aussi, qui sont quand même un secteur des services qui a vocation à se développer, quoi. Je veux dire, si les gens peuvent pas partir en week-end et utiliser les services de loisirs, du coup, ça... Et compléter leur season pass sur le jeu de leur choix. Bah là ouais, la question en fait c'est un dossier qui dit qu'en gros les conditions de travail elles ont été pensées pour des super-héros, des travailleurs super-héros sans défaillance ni machin,
que il faut aménager les temps, les cadences et les charges, etc. C'est vrai qu'au final, il n'y a même pas. Bon, après, ils disent quand même que plusieurs travaux mettent en évidence un effet positif du passage à la retraite sur l'état de santé. Merci à eux. Étonnant. Waouh. Bien vu, Sherlock. Mais ouais, en fait, du et coup, après, ça doit être juste. La question du. Enfin, c'est une question que plein de gens ont vécu et qui est hyper triste, quoi. La question du corps qui lâche au moment de la retraite, c'est. Enfin, il y a plein d'histoires de gens dans des tafs lourds, difficiles, etc., qui tiennent, je sais pas quoi, sur un truc un peu. Voilà, de vouloir tenir, etc. Et au moment de la retraite, il y a une espèce de relâchement et ils meurent, quoi. Il y a plein de gens, oui. Moi des gens de ma génération, il y a plein de gens dont les grands-parents meurent pile au moment où ils prennent leur retraite, quoi. Parce que le corps lâche, mais c'est comme pendant les vacances. Il y a les accidents du travail mortels et il y a aussi le travail qui tue sur la durée et pas seulement par les produits toxiques voilà, enfin il y a ça aussi, mais aussi simplement l'usure, quoi. L'usure du corps, l'usure... Les problèmes de... dépression ouais. Aussi. Surtout avec la taylorisation, donc l'usure de se niquer le dos à faire exactement le même geste toute la journée, etc. Enfin, c'est fou, parce que là, ils se posent des questions... Ils se posent des questions en termes de... Pour éviter la désinsertion professionnelle des seniors. Mais c'est sûr que ça, c'est une réalité qui va... Enfin, avec juste le... Enfin, là, on sait qu'il y a plein de seniors qui reviennent à l'emploi... Après même avoir pris leur retraite parce que les retraites sont, ils sont pas assez trop de la merde en gros. Il y a des offres d'emploi pour les retraités, j'avais déjà vu sur des trucs de nounou, de garde à domicile, des annonces. Vous êtes à la retraite à la recherche d'un emploi. Enfin, il y avait vraiment les deux dans la même phrase et c'était des trucs de garde d'enfants. Moi j'avais entendu ça comme une émission du nouveau gouvernement là, de... Enfin, ça fait quelques gouvernements que ça fait partie des missions d'améliorer l'emploi des seniors, etc. Mais comme un truc où c'est une évidence que c'est bien pour les gens, c'est bien pour les seniors, c'est bien pour les handicapés, c'est bien pour... Enfin, le fait, espèce de matraquage du fait que vouloir travailler est la norme, quoi. Mmh. Mais avec un truc... Enfin, de toute façon, le truc de la retraite à 64 ans, y a aussi le truc que, bah, du coup... c'est pour ça allonge la durée des trimestres qu'il faut cotiser tout au long de sa vie machin etc avec un truc que bah du coup les trimestres seront pas remplis parce que il y a pas le travail organisé pour que tout le monde n'ait pas du travail tout le temps machin etc et qui fait que en fait c'est aussi fait pour que les gens ils se retrouvent à 64 ans avec des retraites de merde qui les poussent à retravailler encore plus longtemps et à... Enfin, il y a aussi ça là-dedans qui se joue dans la question de la retraite à 64 ans. Quoi. Et oui, je pense qu'on n'a pas trop développé ça. Je ne sais pas si on s'y attarde un peu, mais le moment de la gestion du Covid, ça a été un moment où ça s'est bien vu le rapport santé-travail, enfin où sont placées les exigences en rapport avec la santé publique. Et en lien avec le travail, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le premier confinement a été clos, ensuite, il n'a plus été question de faire autre chose que travailler avec le Covid, en fait. Et tout a été fait pour que... déjà, pendant le premier confinement, il y avait tous les emplois nécessaires, les livreurs, etc., qui se tapaient... ou les soignants, etc., qui se tapaient... travail plus Covid et ensuite ça a été tout le monde quoi aujourd'hui ben c'est encore plus le cas, il y a même plus aucune mesure travail avec Covid, je sais pas quoi, ni machin, c'est travail et Covid et voilà. Mais quand il y a eu un truc, c'était déjà l'année dernière, il y a au moins un an à peu près où du coup il y avait plus, enfin maintenant c'était travail avec Covid officiel quoi, genre si t'avais le Covid, si jamais t'avais quand même la possibilité de, enfin l'état de santé permettant de travailler physiquement, tu devais quand même aller au taf. Et là maintenant c'est comme ça, la prescription c'est le port du masque. Il y avait qu'un arrêt maladie en mode t'es vraiment en train de, tu peux pas bouger ton lit, qui peut faire que tu restes au taf, que tu restes chez toi. Sinon t'es obligé d'aller au taf normal, alors que je sais pas, potentiellement quand t'es par exemple si t'es prof ou aide-soignant, mais tu peux contaminer tout le monde.
dans, je sais pas, dans des établissements, dans un EHPAD, tu peux contaminer tout le monde, donc des sujets à risque, les enfants et les personnes âgées, mais t'es quand même obligé d'aller au taf. C'est-à-dire que dans un sens aussi, il y a des trucs qui font que, je sais pas comment dire, la santé, ça passe vraiment après le travail. Ils s'en foutent d'un truc qui peut être aussi speed que, je sais pas, un redépart localisé de l'épidémie, etc. quoi. Je sais pas si on se rend compte à quel point le travail tue, en fait, les gens. À quel point les gens meurent du travail, en fait, et peu d'autres choses, en fait. C'est pas tant une question de travailler soi-même. Le travail tue aussi ceux qui travaillent pas. Le travail pollue, le travail rend la terre inhabitable. Le travail, c'est pas juste ce qu'on se fait à soi-même avec son corps, c'est ce qu'on fait au monde dans lequel on vit, en fait. Mm. C'est comment le monde il est transformé, c'est par le travail que ça se fait. C'est des travailleurs qui vont casser des montagnes en deux pour fabriquer une station de ski ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est aussi ça le travail. Ça tue la santé de celui qui travaille et puis ça tue la santé de tout le monde, en fait. Enfin, le travail, c'est la misère de ce monde. C'est-à-dire, les infarctus, les AVC, etc. Les déliés du travail, dans la plupart des cas, c'est un peu abusif, quoi. Mm. Même toutes les maladies, la plupart des maladies, en fait, les voir comme une anormalité dans le monde du capital, c'est une erreur. Mm. Il y a une normalité de la maladie, déjà capitale ou pas capitale, la maladie fait partie de la vie, mais la maladie dans le capital, c'est la normalité absolue. Tout le monde est malade, en fait. Tout le monde est plus ou moins malade physiquement, mentalement, tout le monde a de l'arthrite. Tout le monde a des articulations pétées, le dos pété, tout le monde est cassé en deux, en fait, par le travail, quoi. Non, ça me fait penser, je suis en train de chercher, ça me fait penser, il y a un passage de Nietzsche sur le travail qui est hyper stylé, mais je le cherche. Moi, j'en profiterai juste pour faire une petite incise par rapport au Covid. Qui avait quand même un tout petit avantage qui était de fournir des arrêts maladie assez faciles. Et pendant un moment. Du fait d'être. C'était cas contact. Voilà, on a toujours été cas contact. Moi-même, j'ai été cas contact durant environ 4 mois. ce qui était pas mal. Puisque en plus, quand on était cas contact, on était payé 100 jours de carence. Donc, les jours de carence ont été retirés il n'y a pas très longtemps. Mais c'était sûr que ça allait rester Et c'était une semaine automatique. Provisoire. Donc c'était pas mal d'être cas contact comme ça régulièrement. Tu as vu le beau le beau ici dans l'épidémie. Tu as vu les avantages. Les avantages existaient. Non mais je pense que après tout le monde s'est un peu saisi de ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un truc assez global. Mais après, le truc, c'est qu'ils ont trouvé le télétravail, ça a niqué pour beaucoup de gens, hein, pas pour tous les tafs, parce qu'il y a beaucoup de tafs. En vrai, je pense que la majorité des tafs sont pas atteignables par un truc de télétravail, etc. Mais c'est vrai que le télétravail, ça a niqué tout ça. Et ça a donné maintenant la bonne technique, parce qu'ils ont vu que, de fait, du coup, je sais pas, en vrai, si on pense à de lutte au travail, si on parle des luttes au travail, le Covid, ça a donné l'occasion, matière à réfléchir aux chefs d'entreprise et à l'État de comment niquer les mouvements sociaux en physique et en présence par le télétravail, quoi. Puis en plus, oui, il y a un truc. Mais même aussi, je sais pas, si tu t'es pété une jambe, tu peux toujours être dehors ouais, c'est ça. À travailler, quoi. Mais alors qu'en vrai, c'est pète une jambe, tu peux te mettre 3 mois d'arrêt maladie cash, quoi. 3 mois bien si tu fais pas de télétravail. Ouais. Bon, après, tu t'es pété une jambe, c'est quand même chiant. Tout à l'heure, tu parlais des questions de lutte sur la question et tout ça. Moi, je pense déjà, par rapport aussi à ce que disait Max, ce qui est intéressant à observer, c'est la manière dont tous les gens qui travaillent arrivent à se saisir plus ou moins... des opportunités données pour ne pas travailler selon les boulots, y compris en rapport avec la santé, quoi. Mais de fait, la fiction de dire que tout le monde est hyper content d'aller travailler, que c'est génial, que maintenant il y a des baby-foot et que du coup, elle est quand même bien cassée par
par le fait de voir que s'ils mettent des jours de carence, s'ils les ont mis, par exemple, il n'y a pas si longtemps dans la fonction publique, alors qu'il n'y en avait pas avant, etc., c'est bien que l'arrêt maladie de confort les fait grave flipper, parce que au bout d'un moment, c'est une manière de ne pas aller à travailler, effectivement. Et d'ailleurs, c'est aussi en rapport avec la santé qu'on voit à quel point les gens sont matrixés par l'idéologie du travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à les taffer alors que justement, ouais, ils pourraient se foutre des arrêts maladie, mais hyper facilement, quoi. Et même en vrai, c'est pas dur d'avoir un arrêt maladie. Par ailleurs, en vrai, l'avantage aussi du télétravail, c'est que la visio s'est popularisée, et donc maintenant tu peux faire des trucs en visio avec des médecins. Ouais. Et du coup, la douille est pour le coup plus facile. Mais en vrai, avoir un arrêt maladie, quand tu connais un médecin qui est voilà machin et tout, c'est pas. C'est plus tout à fait aussi vrai dans la mesure où il y a une pression de plus en plus forte qui est mise sur les médecins, sur compter combien ils mettent d'arrêt maladie et faire en sorte que statistiquement ils restent dans les clous. Et s'ils mettent plus d'arrêt maladie, et ben c'est un problème, ils se font emmerder, etc. Mmh. Il va y avoir des contrôles, machin chouette et tout. Donc il y a quand même ce. Enfin, ils essayent quand même de. Surtout sur la durée des arrêts maladie. Et sur le fait, voilà, que de plus en plus les arrêts maladie. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on sent les médecins sous pression. Enfin, pour avoir une forte pratique de l'arrêt maladie, qu'on sent les médecins sous pression. Coutumier de l'arrêt maladie. On sent les médecins sous pression de la quantité de jours, quoi. Et que, oui, avoir un arrêt de 2-3 jours, dont un jour de carence ou deux jours de carence, c'est. Mais il y a ça qui limite le truc, ouais. Mais avoir un arrêt qui vaut un peu le coup, ça devient beaucoup plus dur, quoi. Déjà, les jours de carence, c'est vraiment une... Bah, des fois, tu peux en avoir 5, hein. Ouais, une arnaque de fou pour juste... En fait, du coup, ça sert à rien de se faire un arrêt maladie. Moi, si. Comme justement, nounou à domicile, c'est 5 jours. 5 jours ? Ouais. Parce que normalement, dans le privé, c'est 3, hein. Bah, c'est peut-être... Bah, c'est ce que dit Frax, là. Frax ! Après, il faut pouvoir perdre... 20% du salaire plus la carence, la pression. Ouais, c'est ça. Mais il y a ça qui, mais même du coup, enfin effectivement, il y a des trucs qui compliquent le fait que les gens, enfin c'est sûr que l'État et les entreprises cherchent à limiter. Gastro, c'est 2 jours. Le fait que ce soit facile, mais après il y a aussi le truc, il y a des gens qui effectivement se pètent la jambe ou ont des maladies qui pourraient leur permettre en soi de pas aller au taf et tout. Mais il y en a qui vont quand même choisir de continuer parce que effectivement, des fois, par je sais pas, faut continuer à être progressif et de ça, voilà. Ou par idéologie du travail, par la pression des autres. Moi, j'ai déjà entendu des trucs de « Ah, j'ai pas envie de... » Chez des gens, et c'est hyper triste, chez des gens qui ont des maladies chroniques, qui fait que c'est vraiment galère d'aller au travail, de se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Je vais être trop absent, machin. » Après, il y a des... L'idéologie du travail, elle fait des trucs comme ça. Alors là-dessus, il y a des milieux professionnels qui sont vraiment à fond dans le... dire le non-soin, voire la... Bah, appeler au sacrifice, je pense des gens entre eux, quoi. Enfin, dans la restauration, c'est assez fou, quand même, un truc de... Ouais, d'une espèce de... Vu que les cadences sont extrêmement fortes, etc., qu'il y a un truc de des gens qui partent en... Enfin, qui font des arrêts maladie ou machin, ou qui sont malades, etc., en restauration, il y a un truc de culpabilité forte et de pression qui se fait sur eux, sans compter le fait que c'est un milieu, le milieu de la restauration, où il y a... je sais pas, où il y a un truc de se droguer, quand même... énormément pour tenir c'est vrai, ça. Ces cadences là, donc enfin en fait le truc est bah ouais, même les gens aussi souvent il y en a ils fument au travail et tout pour juste passer le temps parce que c'est de la merde, genre qui se mettent tard les mines en sortant et... voilà. Oui, ça fait partie des conséquences sur les liens santé travail ouais. Tout l'alcool incurgité ensuite. Après, quand même, dédicace à ceux qui sont en arrêt maladie longue durée depuis 6 ans, alors que. Alors qu'ils vont très bien. C'est vrai qu'il y a vraiment des secteurs où c'est possible. Je sais pas, les gens qui sont fonctionnaires, ils peuvent rentrer plutôt. Du coup, s'ils en ont marre de dealer des 2-3 jours d'arrêt et de perdre un jour de salaire à chaque fois, de rentrer dans des trucs de parcours de santé longue durée, etc. Mais c'est quand même... déjà, c'est pas, vraiment pas dans tous les secteurs. Mmh. Et même là où c'est possible, c'est quand même un truc où il faut s'organiser, quoi. Ça devient un taf d'organiser son arrêt longue durée. Sa justification, quoi. Il y avait une légende du Auchan où je bossais qui apparemment était en arrêt maladie depuis 5 ans. Beau score. Bah, allez.
s'il nous entend. et toujours sur ce même boulot d'ailleurs, il y avait un type qui c'était assez trash comme histoire, qui avait fait un AVC dans la réserve, qui avait été retrouvé plusieurs heures après, machin, etc. Donc qui lui avait été en longue durée aussi en arrêt maladie, machin. Et à la solde de tout ceci, le mec a été remis à. Enfin, Auchan l'a refait bosser en mi-temps thérapeutique, quoi. Parce qu'il y a aussi ça comme forme de réemployabilité. C'est vrai qu'il y a le mi-temps thérapeutique. Même si, voilà, c'est ça, le mi-temps thérapeutique qui est souvent utilisé. Pour mettre un peu un terme aux arrêts maladie longue durée, où du coup, en gros, tu bosses la moitié du. Et tu bosses quand même. Ah, tu bosses quand même déjà. Tu bosses la moitié du temps que, pour lequel tu es payé et l'assurance maladie paye l'autre. Mais il y a ça maintenant pour les fonctionnaires aussi. Il y a ça avant la retraite. Tu peux prendre 2-3 ans en mode mi-temps pour déjà te préparer à la retraite, mais quand même, tu vois, ils continuent de te faire bosser jusqu'au bout quand même. Mais ils acceptent que tu prennes un peu de temps pour toi, machin et tout, pour te préparer à la retraite. Mais non, tu vois, enfin, ça fait que petit à petit, ça rogne sur effectivement les années de ta retraite où avant tu partais à 60 piges. Mm. Mais quand tu parlais des luttes travail par rapport à ça, tu. Oui, non, moi je pensais des luttes qui thématisent quand même, mais c'est plus dans les contextes en effet de pandémie, machin. En fait, ce que je pensais, c'est. Je trouve que la thématisation, la question du soin et de la santé, elle est beaucoup trop vite captée par le truc de sauvegarde de l'état social. C'est-à-dire que le moment où il y a eu les trucs de fin des carences et tout ça, ça aurait largement pu poser débat, parce que c'était quand même un truc planétaire qui s'était passé, qui était speed, il y a eu des je sais pas combien de morts, etc. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. Les gens, ils avaient, je sais pas comment dire, ils avaient accepté avec tout le tas de trucs sur le télétravail, sur les métiers essentiels, etc., etc. Que comme la mais même c'est ce qu'on nous rabâchait tout le temps pendant le Covid. C'est effectivement le monde, il a arrêté de tourner. Va falloir commencer à le refaire tourner. On peut pas rester dans cette situation, etc. Donc la question, comment on fait tourner le monde qui existe, grâce aux librairies, commerce et santé. Non, mais grâce à la remise au taf des gens. Et donc du coup, le corollaire de ça, c'est la remise des élèves à l'école, etc., etc. Mais la question par exemple des profs absents, c'est la même chose aussi. C'est les profs absents, ça casse les couilles, parce que ça fait que les élèves, ils sont obligés de... Ah, mais moi, mes enfants, ils sont à Stanislas, en fait, hein. Et parce que t'habites rue Stanislas, pas pour. Ouais, c'est place. Ça. Et du coup, ça fait que les parents, ils peuvent pas aller bosser, etc. C'est l'engrenage. En fait, ils mènent toujours à le même truc. C'est juste mettre les gens au travail, quoi. Donc en vrai, si on améliore la vie des profs et qu'ils font moins de burn-out, ils sont toujours devant les élèves. Et après, maintenant, ils sont. Bah, du coup, les élèves, ils ont plus à rester chez eux et hop, tout le monde peut aller travailler, quoi. Reconquérir le mois de juin peut être une. Et le télétravail, ça sert aussi à ça. Les enfants, ils peuvent rester chez eux, et toi, tu peux rester avec eux, mais t'es quand même en télétravail. Par exemple, s'il y a une grève des transports. Oh, ou une grève des profs. Je peux pas emmener mes gamins à l'école. Bon, bah, télétravail. Sinon, j'ai retrouvé la citation de Nietzsche qui avait été sortie dans le journal d'agitation Mauvais Sang numéro... Je connais pas, mais ça a l'air bien. Numéro 5. On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires et la soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse durement jouira d'une plus grande sécurité, et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. Visionnaire. Ça a annoncé le Caire. 200 ans avant son époque. Non, mais quand même, le fait que le Caire, c'est un concept de Martine Aubry, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait plus diffuser, ouais. Quoi. Avant que les gens oublient qui était Martine Aubry, parce que c'est ça qui est drôle aussi, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer dans votre squat militant le plus proche et à le crier haut et fort.
faire des autocollants, faire des, pas, des stickers. Avec voilà. La sale gueule de Martine Aubry. Peut-être un jour un. Je sais plus où je voulais en venir. Yes. Il me semble que c'était dans le 4. En fait. Erratum. Mauvais son, mauvais son 4. Mauvais son. Dans le texte, à rentrer les fous. Ah, bah, c'était pas dans le... ah non, c'était dans le numéro 2. Ah non, 4, 4, 4. Excusez-moi, je renvoie le lien. Petite rectification. Et eh ben on va conclure cette émission de reprise. Tiens à remercier nos deux sponsors, Guy de Dior. Guy de Dior. Guy de Dior pour son parfum Situation. J'adore. Eau de toilette, au pluriel bien entendu, même s'il y a une petite faute. et bien entendu la formation Marc Civit. Que nous allons nous empresser de vous repasser avant le morceau final de l'émission, donc qui sera Sing Disorder, donc Chante le désordre de Genghis Tron. Comme on a la. Il y a juste. Du coup, dans la prochaine semaine, il y a au moins la. La manif dimanche prochain. La manif dimanche prochain, qui est censée être peut-être la plus grosse depuis le début de, en termes de nombre et d'attente, machin. En tout cas, parce que la gauche a dit qu'elle y allait, la CGT. Alors. La CGT, donc au moins la manif dimanche prochain contre la loi immigration qui est passée. Et voilà. Et restez jusqu'au bout, le morceau déchire. Tu as passé des heures à nager sur des blocages de périph et dans des occupations étudiantes? Conseil de camarades, arrête, tu perds ton temps. Tu fais la même erreur que 98% des militants. Tu veux passer de primo militant à militant professionnel et ce, sans burn-out militant? Baisse ton poing et ouvre grand tes oreilles. Je vais te donner la solution, mais avant, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. Pendant des années, je suis allé dans des blocages, des occupes de fac. Bref, j'ai participé à des luttes et j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Je n'ai développé aucun savoir-être et aucun savoir-faire. Et un jour, en pleine organisation d'un SO pour une CS, cantine solidaire, j'ai soudainement compris que le capital allait s'effondrer de lui-même. J'ai alors conseillé les plus grands théoriciens de la valeur. Théologie communiste, Simone et Véro, les éditions Prise et Pratique, la revue Brouhaha. Est-ce que tu seras prêt à faire des sacrifices pour faire partie des 2% qui ont éveillé leur conscience de classe? Est-ce que tu seras prêt à faire le nécessaire pour rentrer dans l'arrière-garde? Sache que seulement 10% des gens qui regardent cette vidéo franchiront le pas pour transformer leur vie. Toi aussi, fais partie de cette minorité passive qui est capable de mettre en application ma méthode Marc Civit maintenant. Arrête d'être spontané, arrête d'intervenir, c'est l'erreur qu'ils font tous. Tu veux comprendre en seulement 15 minutes comment l'articulation de la classe juxtaposée à la valeur de la productivité substantielle de l'impact du surtravail sur le prolétariat mènera à son abolition? Tu veux impressionner les autres primo-militants avec des concepts compliqués pour te donner un air plus photosynthèse et ainsi avoir une chance de révolutionner la théorie communiste comme Negri ou Bordiga avant toi? Rentre de ta manif, pose ton cul dans ton canap et suis mes conseils. Regarde, ça c'est Sébastien, un de mes meilleurs élèves. En seulement 3 mois, il a déserté toutes les luttes et ne fréquente plus que des cantines, des soirées de soutien. Avant, quand j'étais encore tierceau militant, j'essayais d'aller dans les luttes, j'essayais d'être inventif, de proposer des actions, discuter avec les autres. Mais j'ai bien vu que c'était peine perdue. Un jour, je traînais sur Tarif Lutte Info et je suis tombé sur la vidéo de Marc Civit. J'ai saisi l'opportunité. J'ai compris grâce à Damien et sa formation qu'on pouvait lutter en restant chez soi, car l'abolition du capital s'auto-engendrera. Mais quelle révolution! Depuis, ma vie a changé, je n'ai plus à me fatiguer et je peux enfin briller dans le milieu. En 10 étapes, comme dans le manifeste, je t'apprends à sortir du militantisme pour rentrer dans la conscience de classe. Et en prime, pour toute inscription à la formation Marc Civit, ce PDF de seulement 2874 pages et demie sur l'articulation classe, race, genre est offert.